Something. I want to be worth enough to attract the attention of others.
That's not my business. Et bonsoir à tous les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Coucou Bacille, coucou Saturne, coucou Mimou, coucou Moumou, coucou Banane en pyjama, coucou John Nexon, coucou Faye No More, coucou Full Tokam, coucou Guimauze, et à tout de suite, coucou Emily Fille, coucou Bacille une nouvelle fois, coucou Mickaël, coucou Clarinda, coucou Raven, coucou Carped, coucou Chuck la Barbe, coucou Monkey Fred, coucou Yotiel, bien le bonjour Space Kairou, coucou Lokacha, coucou Saturne, bien le bonjour Moumou, coucou oula Kimi Kimi Luna, coucou Bissey sur la flamme, coucou Kikor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Culture Bulle, l'épisode 20 de la saison 2, pour être précis. Alors que la régie ne s'est absolument pas mutée dans mes oreilles et que je l'entends en ce moment même déguster un kebab absolument incroyable. Voilà, c'est absolument divin, j'entends le bruit de l'alu qui s'ouvre, le bruit de la sauce blanche qui goûte dans l'emballage en carton. C'est un véritable bonheur d'ailleurs à la régie, comme chaque lundi soir. À la réal, vous trouvez Doug Dougie Doug aka Space Kairou. Bien le bonjour, Kairou. Eh bien le bonjour, je vis mon Est-ce meilleur kebab. Est-ce que vous avez senti qu'il a avalé sa bouchée et que c'est pour ça qu'il y a eu un peu de latence en mode genre bonjour, pardon, excusez-moi. Bien le bonsoir Lucie, coucou Mélanie, coucou Daito, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on retourne au collège. Alors j'espère que vous avez votre trousse, j'espère que vous avez votre meilleur cartable, votre meilleur ispac, que vos converses sont flambant neuves. Aujourd'hui, on retourne sur les bancs du collège slash lycée avec Théo Grosjean qui va nous parler de sa bande dessinée mettant en scène Elliot. Et pour ce faire, Guimauze sera à mes côtés pour en parler. Jeunes gens, je pense que il est l'heure de lancer le générique. Et Kairou veut tout à fait dire crapaud, Loxacha, tout à fait. Et au claquement de doigts, est-ce que avec les mains pleines de kebab, il arrivera à lancer le générique au bon moment?
Et bonsoir. 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 Est-ce que ça va? Bah oui, très bien, très bien. Merci pour l'invitation. J'aime cet enthousiasme débordant, mais avec plaisir. Avec plaisir. En fait, le kebab t'a achevé. Ouais, non, mais oui. Tu peux. Hein. Juste que c'était absolument divin. Tu vois, juste avant de lancer l'émission, me dire, j'ai commandé à manger, il y a moyen que ça arrive pendant l'émission. Et en même temps que là, je présente, j'ai Doug dans l'oreillette pour qu'il puisse me parler si jamais il y a quoi que ce soit comme problème technique. Et il se pourrait qu'il ait légèrement oublié de se muter et que j'entendais littéralement chaque bouchée. Et donc, présenter une émission avec un ASMR kebab, j'en sais pas ce qu'il y avait. Fantastique, mais c'est un bon démarrage au moins. Alors, je vous demandais si ça allait, parce que avant de plonger dans ton univers, Théo, accompagné de Guimauz, je voulais vous parler du Blue Monday. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas du tout? Non. Ça me dit quelque chose. J'en ai entendu parler aujourd'hui sur Instagram, mais je me souviens plus ce que c'est. Bah, c'est ça, c'est parce que c'est aujourd'hui. Le Blue Monday, c'est aujourd'hui. Okay, apparemment, c'est le jour le plus pourri de l'année. Voilà. C'est le jour de la déprime absolue parce qu'on est loin des fêtes de Noël. La météo, c'est pas encore ça. On a dépensé tous nos sous, donc on est encore pauvre parce que la nouvelle paye n'est pas arrivée après les cadeaux de Noël. Les prochaines vacances sont ultra loin. Le printemps, c'est pas encore arrivé. Et donc, apparemment, aujourd'hui, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Voilà. Ah ouais. Du coup, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Bah, ça va, franchement. La météo, c'est pas encore ça. Ah bah clairement. Non, mais l'Oxacha, oui. Après, enfin, ouais. Alors que je suis Marseillais, tu vois, et il fait moins 8. En revanche, on parle de météo. Ouais, moins 8000. Je tiens quand même à souligner une chose. Nous sommes en janvier. Ça n'a rien à voir avec l'émission. Hein. Nous sommes en janvier. Il fait moins 8000. J'ai éclaté un moustique pendant le générique. Voilà. Tu l'as gardé de côté. Je l'ai gardé de côté, oui. Je me suis dit, c'est pas possible. Genre, putain, on est en janvier. Il fait moins 15 et on a encore des moustiques. Oh là, la vie est rude, je comprends le Blue Monday. Il fait pas assez froid. Désolé, Youx, il fait pas assez froid. Il fait beaucoup trop froid. À mon sens. Non, mais à mon sens. Je mets un pull. Pas très froid, ouais. On porte des pulls. Chez moi. Il fait bien assez froid. Oui. Mais moi, c'est un pull vraiment léger. Hein. C'est un tout petit pull tranquille. On n'est quand même pas en t-shirt et on ne peut pas aller à la plage. Il fait trop froid, point quoi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je voulais vous parler du Blue Monday? Bah, déjà parce qu'on en parle absolument partout. Comme tu dis, tu l'as vu sur Insta tout à l'heure. Je l'ai vu passer sur Twitter toute la journée. Et alors, le Blue Monday, je voudrais juste vous rassurer tous, il n'y a rien de scientifique là-dedans, les gens. Vous avez tout à fait le droit de passer une bonne journée aujourd'hui. Vous avez le droit d'être de bonne humeur. Il n'y a rien qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pire jour que les autres jours de l'année. Le Blue Monday, c'est une invention d'agence de voyage. Et c'est tout. Littéralement, ça a été inventé dans les années 2000 par une agence de voyage. Ouais, en mode genre, bah écoutez, c'est quand même le Blue Monday aujourd'hui. C'est un jour où c'est particulièrement difficile. Est-ce que ça ne serait pas l'heure de prendre un ticket de train ou un petit billet d'avion pour partir loin et profiter de nos réductions exclusives après Noël. Voilà. Donc, du coup, ne vous faites pas avoir, ne serait-ce que par la formule mathématique qui existe. Enfin, j'ai vu plein de gens poster cette formule où W égale D moins D fois TQ qui est divisé par M fois NA pour avoir l'air à peu près intelligent. Le tout représentant la distance depuis Noël, la température, la météo, l'argent et tout, etc. Ça a juste fait pour être intelligent, les maths. Pas du tout, c'est inventé par une agence de voyage. Donc, vous avez le droit de vous poser tranquille, de vous préparer votre meilleure boisson chaude et de parler bande dessinée et manga avec nous toute la soirée. Et la vie sera douce. Voilà. Voilà. Ou d'aller danser sous la pluie, n'hésitez pas, hein, si vous êtes un petit peu maso, surtout. Oui, mais danser sous la pluie, ils peuvent pas regarder l'émission. Attendez la fin de l'émission pour danser sous la pluie. Voilà, dites-vous, vous regardez l'émission. Et après, vous allez danser sous la pluie, le meilleur des deux mondes, et vous en profitez. Et coucou à tous ceux qui nous rejoignent entre-temps, coucou Tracide, coucou Boboun. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons retourner sur les bancs du collège en parlant de Elliot au collège, tout simplement, avec Théo, qui est l'auteur de cette bande dessinée. Mais avant toute chose, comme d'habitude, première partie de l'émission, eh ben, waouh. Guimau, je vous propose que tu fasses toutes les émissions avec nous. Allez. On va s'intéresser à Théo lui-même. Théo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton amour de la bande dessinée? Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte en tête depuis tout petit? Est-ce que tu as toujours été un gros lecteur?
Ouais, carrément. Bah, en fait, je suis un gros fan de BD comme en fait, ouais, je pense de bah, je sais pas si c'est en fait, j'ai toujours du mal à savoir si c'est comment dire différent des autres ou pas, mais tu vois, genre j'avais quelques BD, enfin à la maison, on avait pas mal de BD, on avait les classiques, en gros, on avait Gaston, Tintin, Astérix. Voilà, les gros classiques franco-belges. Les incontournables du franco-belge, Et ouais. voilà, c'est ça. Et j'avoue que ouais, je pense que j'avais pas spécialement eu, enfin, on m'a pas particulièrement incité à les lire. Et de moi-même, j'étais quand même assez, enfin, j'aimais ça, quoi. Je sentais que, en fait, je pense que ce que j'aimais par rapport, par exemple, à un film ou à une série, ou même à un jeu vidéo, même si quand j'ai lu des BD avant de jouer aux jeux vidéo, je pense que ce que j'aimais bien, c'était l'aspect très. La relecture était beaucoup plus facile, je trouve. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais une BD, par exemple, ça, tu peux la rouvrir et Ouais. relire des pages, certaines pages, ou relire plusieurs fois la même page, ou même la relire plusieurs fois. Je trouve que c'est moins dur que de re-regarder un film. Genre, par exemple, il y a des Astérix Obélix que j'ai lu peut-être, je pense, 50 fois, sans exagérer, quand j'étais petit surtout, d'ailleurs. Et il n'y a aucun film que j'ai vu 50 fois, enfin, je pense pas, quoi. À moins vraiment de. Même les films que j'adorais, je les voyais pas 50 fois, quoi. Donc je pense qu'il y Ben a ça, cet je suis aspect d'accord avec toi. Il y a des relecture, films que j'espère que. j'adore de ouf, que je revois, mais parce qu'ils font vraiment Ouais. partie de mon top 5. Alors Ouais. que des bandes dessinées que je relis pour le plaisir, alors que ça fait pas partie de mes incontournables, il y en a plein. Ouais, Comme voilà. tu dis, il y a Oui, des c'est ça. Astérix ou des Gastons Lagaffe que Oui, j'ai voilà, relu c'est une ça. paire de fois. Exactement. Genre, Puis moi, je c'est trouve en fait, aussi. il y a un truc de. Pardon. Non, Non, vas-y, vas-y, je t'en vas-y, prie. vas-y. Mais en fait, je trouve Non, qu'il y non, a vas-y, je aussi t'en prie. le plaisir contemplatif, c'est très facile d'ouvrir une page et juste de s'immerger directement dans une illustration. On peut facilement Oui. prendre du temps pour regarder chaque détail et du coup y revenir assez facilement. Mmh. Et c'est vrai que c'est. Ouais, carrément. Ouais, bah c'est d'ailleurs ce que dit dans le chat Loxacha, que je trouve assez vrai, c'est qu'effectivement, je ressens un peu la même chose, c'est qu'on maîtrise vraiment la temporalité, on peut passer plus de temps à lire trois cases, et puis finalement passer hyper vite. Enfin, il y a quelque chose je pense que quand j'étais petit, ça me fascinait beaucoup, ce rapport à la temporalité dans la BD. Et c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup marqué. Enfin, en fait, je pense que j'ai développé une fascination assez vite pour ce médium-là. Et aussi, en fait, j'ai eu plusieurs phases, je pense. Après, j'ai eu donc ça, c'était la phase classique où je lisais ce que j'avais à la maison. Et plus Ouais, tard, ce qu'on te met je entre les me mains suis en mis à fait. lire des. Oui, voilà, c'est ça exactement, sans vraiment choisir. Et beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, on va dire là, c'était, je devais avoir, bah, c'était quand j'apprenais à lire, quoi. Donc, je devais avoir 6-7 ans. Et pas beaucoup plus tard, en fait, non, je dis n'importe quoi, parce que c'était, je devais avoir 8-9 ans. Quand en fait ma mère a été mutée à Paris et du coup j'étais souvent amené, enfin en fait en gros pour résumer très rapidement je devais enfin on n'a pas eu tout de suite un appart et du coup on faisait des gros trajets entre mon école qui était près du boulot de ma mère et là où on logeait et du coup souvent ma mère c'était plus simple pour par exemple comme les horaires collaient pas toujours des fois elle me laissait à la bibli ou voilà des trucs comme ça. Il y avait une petite bibli à Paris que j'adorais enfin que j'adore toujours d'ailleurs. Qui s'appelle L'Heure Joyeuse, c'est pas une librairie, pardon, une bibliothèque qui est spécialisée dans la jeunesse. Et en fait, là, il y avait un choix de BD qui était énormissime. Genre, il y avait des rayons entiers de BD. Et j'ai découvert plein, plein de trucs. Et je pense que ça a été important dans le sens où je me suis mis à choisir mes propres BD ou à lire des trucs Oui, aller vraiment vers parce que ce ça me vers quoi tapait qui dans l'œil. t'attirait, Ouais, quoi. voilà. Donc Exactement. en fait, Et là, la j'ai. bibliothèque était ta babysitter. Les BD, c'était ta babysitter. Un peu, ouais, oui, carrément. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Enfin, je me sentais hyper bien dans ce lieu déjà. C'est pour ça que là encore aujourd'hui, je trouve, enfin, la bibliothèque, c'est un lieu important pour moi parce que je m'y sens bien en général parce que ça me rappelle aussi ce souvenir-là. Et puis, effectivement, du coup, ouais, j'avais toutes ces BD qui étaient hyper. Puis en fait, comme c'était une bibliothèque pour la jeunesse, je pense que les gens qui travaillaient dedans, ils étaient au courant qu'il y avait souvent des enfants un peu. Enfin, il y avait. C'était assez c'était structuré pour qu'en gros on soit à l'aise enfin voilà c'était l'univers était cool en plus c'était Je dans le sais centre pas de si ça Paris se fait donc encore carrément beaucoup aujourd'hui, mais moi aussi j'ai des souvenirs de petits, les parents qui te lâchent au rayon bande dessinée t'sais, de la Fnac pendant qu'ils vont faire les courses dans le centre commercial ou ouais quoi, et d'avoir des rangées entières de gamins, le cul comme ça assis par terre, juste ouais à lire des BD. Et ça fait ouais longtemps que je suis pas rentré.
dedans, voir si jamais il y a encore des enfants comme ça en randonnion, en mode genre, asseyez-vous là, on va faire un tour avec papa et maman et on revient, quoi. Il y a aussi des adultes. Bah, je pense, ouais. Oui, c'est vrai, il y a aussi des adultes. Bah, après, il y a le manga qui fait toujours cet effet-là où tu as beaucoup de. Enfin, il n'y a pas que le manga, mais je pense que le manga, comme c'est assez rapide à lire quand même en général et que bah, ça revient cher de tous les acheter. Il y a quand même, moi, je vois souvent à la Fnac, il y a quand même pas mal d'ados qui lisent des mangas à la chaîne. Et je comprends, je vous ai la même chose. Donc voilà, ouais. Donc oui, c'est un peu le. Voilà. La genèse. Il y a Basile qui demande dans quelles conditions est-ce que tu apprécies une BD aujourd'hui? Comment est-ce que tu lis une bande dessinée? Alors ouais, c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça a pas mal changé. Je pense que maintenant, souvent, c'est. Alors c'est vrai que c'est compliqué en fait quand on devient auteur ou autrice de BD, ou même je pense que c'est pareil pour la littérature classique. Il y a un truc un peu. Enfin, c'est un peu compliqué. Plusieurs personnes ont des rapports différents à ça. Je sais qu'il y a des gens qui arrêtent de lire de la BD, par exemple, parce qu'en fait, ça devient trop. Trop compliqué, trop parce que vu qu'on est soi-même en train de travailler, ça peut être compliqué. Après, je suis un peu radical, je pense qu'ils arrêtent. Enfin, c'est assez rare les gens qui arrêtent complètement de lire la BD, mais ou qui en tout cas freinent un peu leur lecture. Et ça, je comprends. Je vois le truc. Moi, personnellement, je lis presque plus, je pense, de BD qu'avant, objectivement. Peut-être j'en lis moins, enfin j'en lis plus régulièrement, c'est-à-dire qu'avant j'en lisais le week-end, j'en lisais plein, mais après le reste de la semaine, j'y pensais un peu moins et tout. Maintenant, j'en lis très régulièrement, dès que j'en ai sous la main. Des fois, j'en achète, des fois, j'en ai gratuite quand je vais en dédicace en librairie. Donc, en fait, ça fait quand même pas mal de BD et j'avoue que, ouais, je lis pas mal. Et enfin, donc, ça répond pas à la question, mais en gros, je pense que mon rapport à la lecture, il est plus professionnel, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, j'analyse plus ma lecture, je me dis plus, en fait, j'essaie plus de comprendre comment l'autrice ou l'auteur, la personne qui a écrit le livre a réussi à se, comment dire, se. Comme un réalisateur regarderait un film, en fait. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, en fait. Tu regardes le découpage, le dessin, le texte, ouais, voilà, tu te poses des questions, ouais. Ça te sort pas trop du truc technique. Bah, si, justement, c'est vrai que des fois, ça me sort un peu, et je pense que je suis plus exigeant aussi. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des phases, parce que souvent, je suis plus exigeant quand j'écris la BD, quand j'écris une BD. Et après, quand ma BD sort, je suis un peu stressé parce que j'ai l'impression que bah, c'est un moment stressant parce que forcément, on attend les critiques, les tombées de presse et tout. Et du coup, là, d'un coup, quand je lis des BD à ce moment-là, je suis hyper. Je trouve tout bien parce que je pense que c'est une transposition où j'ai pas envie que je juge mal ma BD. Donc je me dis, tu te dis, genre, j'aimerais que tout le monde trouve ce que je fais, c'est bien. Et donc, du coup, ouais, je sais à quel point c'est dur. Et donc, du coup, le pauvre, là, il a essayé quand même. Je pense que c'est ça. Exact. Bonsoir, Jeanne. J'imagine qu'il y a des autres. Pardon. Non, mais vas-y. J'imagine qu'il y a des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, peut-être qui ont cette difficulté à. Du coup, tu disais qu'il y avait des personnes qui étaient dans l'exact opposé. Et j'imagine qu'il y a peut-être aussi ce truc qui est assez naturel où on va facilement se comparer, peut-être se déprécier dans son propre travail en voyant ce que les autres font, peut-être aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que certaines ne se sentent pas de continuer à consommer, ou peut-être juste. Ça, je me pose la question, est-ce que c'est aussi une peur de se dire qu'on va peut-être plagier sans faire exprès, à force de se nourrir de certaines choses? Je me pose la question aussi. Bah ouais. Oui, ça, c'est une peur. Ouais, c'est carrément une peur. Enfin, moi, je l'ai pas trop personnellement. Enfin, je me pose pas trop la question non plus, mais c'est vrai que si, c'est quand même un truc. Où on a toujours peur de. Bah déjà, même sans parler de plagier, parce que plagier, c'est quand même. Enfin, c'est un truc très. Pour moi, plagier, c'est vraiment. Oui, c'est copier-coller. Ouais. Ça serait vraiment de copier, de copier. Et ça, c'est quand même assez rare en bande dessinée. Ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la BD, mais c'est assez rare. Mais plus, il y a une tension au niveau des influences, de qu'est-ce qui influence le plus. Voilà, c'est toujours un peu ça peut être un sujet de tension parce que effectivement on a peur d'être le sous quelque chose, d'être comparé, le sous tel auteur, telle autrice, etc. Après moi, dans le milieu de la BD, je le ressens pas trop, c'est-à-dire que j'ai pas, après peut-être que je pense dans les conversations privées chacun fait ses avis sur ça, comparatif, ouais c'est ça. Mais oui, après, c'est, moi, j'avoue, je le vois, je sais qu'il y a des influences très claires dans mon travail. Par exemple,
Et une influence que j'assume souvent, enfin, sans problème, dans la BD, c'est Lewis Trondheim, qui est mon éditeur sur L'homme le plus flippé du monde et enfin, sur beaucoup de mes BD. C'est un auteur que j'ai énormément lu dans ma jeunesse. J'étais presque, on peut le dire, j'étais un peu obsédé par cet auteur parce que j'adorais la façon dont il racontait les histoires. Et en plus, j'étais fasciné par son dessin qui était hyper simple, enfin, qui me semblait hyper facile à refaire, entre guillemets, Ouais, il est et qui simple, me mais pas donnait envie simpliste. de. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'était beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais, évidemment, mais en fait, ça me donnait l'impression que moi aussi, je pouvais faire de la BD, parce qu'en fait, c'était un dessin qui me semblait facile d'accès. Et du coup, ça me parlait, en fait. Donc, évidemment, j'ai beaucoup redessiné. Enfin, c'est sûrement l'auteur dont j'ai le plus, quand j'étais petit, recopié les dessins, etc. Donc, ça m'a influencé dans mon travail. Et même dans la narration et tout, c'est sûr. Et du coup, moi, je trouve que c'est normal, en fait. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, c'est une évidence qu'on est toujours inspiré par. Il y a toujours d'ailleurs un ou deux auteurs qui prennent le dessus. Voilà, c'est normal, quoi. Bon, moi, C'est ta je sensibilité. sais que je l'assume. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, ce qui tombe bien, c'est que c'est mon éditeur et qu'on a une relation très, très cordiale, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, après, je pense aussi que je m'éloigne au fur et à mesure en fonction de choix que je fais dans la narration et tout. Mais voilà, en fait, ouais, je pense qu'il faut l'assumer. En fait, c'est quelque chose, moi, que je trouve. Un peu dommage, il y a pas mal de gens qui, je pense, ont très peur de ça. Et du coup, enfin, dans le milieu, j'ai l'impression, hein, sinon c'est l'impression que j'ai, où ils se disent, faut surtout pas que je montre mes influences, ou alors ils vont un peu, enfin, montrer comme s'ils sortaient un peu de nulle part et tout. Et je trouve parfois, c'est un peu, bah, en fait, je comprends parce que c'est un peu un sujet de tension et tout, mais souvent, c'est mieux d'assumer complet, quoi. Voilà. Donc, voilà. J'ai un peu divagué, mais voilà. Mais divague, Non, tu dis que tu as mais beaucoup je suis assez redessiné d'accord. du Trondheim. Pardon, vas-y, Guimauze, fais Non, donc. mais sinon j'allais continuer sur le sujet. Et... Non, c'est bon. Et Bah je alors, suis d'accord. Ouais, juste, ça je marche. Faut te mets en pause assumer. 2 secondes, je suis désolé. Mais c'est juste qu'il y a Guy Tounou qui dit que il ou elle a toujours rêvé de savoir dessiner parce qu'elle aimerait beaucoup pouvoir exprimer ses émotions via le dessin, mais que il ou elle dessine très mal et du coup, il faudrait des conseils. Toi, tu dis que tu as beaucoup redessiné Trondheim. Comment est-ce que tu prends un crayon la première fois et comment est-ce que tu fais ton trait? Bah, en fait, moi, j'ai eu plusieurs phases dans mon apprentissage du dessin. Effectivement, il y a un apprentissage souvent. Alors moi, en fait, il me semble, enfin, j'ai d'abord beaucoup dessiné des choses figuratives, et je crois pas trop que justement, quand j'étais petit, jusqu'à un certain stade, je redessinais pas trop. Enfin, je sais que je compare des fois avec des amis qui sont dans le dessin, et en fait, souvent, il y a toute une production entre, on va dire, 3 et 5, 6 ans, 7 ans. Où en fait c'est beaucoup bah au début c'est assez libre le dessin je pense au tout début de donc en fait on essaie de figurer en fonction de ce qu'on voit et tout d'ailleurs c'est ce qui rend le dessin des enfants aussi fascinant parce que ils reproduisent de manière hyper symbolique les objets les choses qui les entourent et souvent par la suite il y a une phase où on va recopier des dessins animés des trucs comme ça et tout on va essayer de reproduire des choses qu'on aime moi j'ai l'impression que je l'ai eu beaucoup plus tardivement c'est-à-dire que ça je l'ai pas eu tout de suite. J'ai continué à dessiner beaucoup des trucs symboliques pendant très longtemps. En fait, j'ai dessiné un peu des trucs de mon quotidien entre guillemets pendant assez longtemps. Et après, c'est arrivé effectivement plutôt à l'âge de 8-9 ans où j'ai été exposé à beaucoup plus de BD. Et du coup, là, je me suis mis à redessiner par exemple, des objets parce qu'en fait, j'étais très frustré par certaines choses que j'arrivais vraiment précisément pas à dessiner et que je voulais dessiner. Des trucs sur lesquels j'étais obsédé, genre les épées, je sais pas, il y avait certains trucs très précis, par exemple, je me souviens des plis des pantalons dans les Ouais. mangas et tout, quand il y a un pli de pantalon au bout, ou les plis au niveau des genoux, etc., ça m'obsédait, je sais pas, je trouvais que ça rendait trop bien dans les BD. Du coup, T'étais je quand même refaisais particulièrement exactement. observateur et presque professionnel, parce que à 8 ans, pour te prendre la tête sur les ourlets de pantalons et les plis des pantalons, c'est vraiment déjà que Je tu pense veux que que, ton dessin, il soit genre. Enfin, c'est que t'es déjà dans Oui, une analyse super poussée, quoi. c'est vrai. Bah, en fait, je pense que, alors, je sais pas si c'est uniquement moi. Je pense que c'est possible que plein d'autres enfants aient cette attention au détail. Mais moi, je me souviens que très tôt, je voulais. En fait, j'étais obsédé par l'idée d'être publié. Et ce qui était Okay. absurde, parce qu'évidemment, j'avais pas du tout les moyens de l'être. Mais en gros, ouais. Du coup, je me disais, il faut que j'arrive à synthétiser un truc le plus rapidement possible. Et j'étais conscient aussi. Je pense que je pouvais pas. Et qu'il fallait que j'aille dans une direction parce que si j'allais dans trop de trucs à la fois, bon, je parle de ça, j'avais peut-être un peu plus tard, hein, j'avais peut-être 10, 11 ans, tu vois.
Ouais, mais même, Et je quand me même. sens que je me disais, oui, il faut que j'arrive à vraiment à synthétiser le style d'un tel, etc. Enfin, bon, là, je le formule avec des mots d'adulte, mais à l'époque, c'était beaucoup plus simpliste. Mais je pense que j'avais cette volonté de très rapidement arriver à mon but, en gros. Et du coup, c'est vrai que ça fait que c'est à la fois quelque chose de bien et pas bien, parce que du coup, pendant très longtemps, je suis resté un peu focalisé sur tout le temps le même style et tout. Et en fait, en même temps, c'est ce qui m'a permis de ne pas perdre trop de temps, en gros. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en école d'art, je dessinais assez mal, pour être honnête. C'est-à-dire que j'avais pas un très bon dessin réaliste, enfin, pas un très bon dessin figuratif, on va dire. Quand tu dis Mais dessiner assez mal, est-ce que, parce que quand on se dit dessiner assez mal, dans notre tête, ce qui nous vient tous, c'est je fais pas d'ultra réalisme. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plus le fait de pas arriver à exprimer une émotion ou à synthétiser une scénette de façon efficace? Qu'est-ce que tu appelles mal dessiné? Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet en soi, mais parce que du coup il n'y a pas de bon ou de mauvais Qu'est-ce dessin, que le mais dessin, Théo? disons que c'est ça. Mais disons que je pense que non, pour résumer, en gros, je dessinais, je savais pas, j'avais par exemple, j'avais tout simplement pas de notion de perspective, tu vois, j'avais des notions très très enfin basiques de perspective. Je dessinais tout le temps en perspective cavalière, tu vois, juste avec les traits parallèles dans tous les sens. J'avais pas de enfin en fait je m'étais juste pas entraîné à dessiner le réel en fait donc du coup effectivement j'avais des grosses lacunes d'ailleurs j'avais passé un entretien pour entrer dans mon école et dans l'entre enfin dans le en gros il fallait comment faire des objets dessiner des objets et tout et vraiment c'était une cata genre j'arrivais pas parce qu'en fait il manquait des notions de simplement de dessin quoi. Et du coup, je m'étais rattrapé sur la partie un peu plus créative, où là j'avais fait des BD et tout, enfin j'avais montré des BD que je faisais. Mais effectivement, non, il me manquait clairement des notions de dessin. Et par dessiner bien, j'entends vraiment le dessin, on va dire, juste, le dessin juste, dans la justesse du dessin. Pas dans le sens des émotions et tout, mais vraiment juste dans le sens de savoir comment représenter une perspective Oui, le trait est au ou bon un. endroit, Ouais, purement voilà, technique. c'est ça. Exact. Et donc, pour juste résumer la réponse à la question, enfin, c'est vrai que du coup, par la suite, moi, du coup, j'ai pris beaucoup de niveaux en fait à l'école. Surtout la toute première année, c'était une année où on a fait beaucoup de dessins, justement. En fait, c'était une année que j'ai vraiment adorée parce que dans le dessin, comme dans tous les autres domaines, d'ailleurs, il y a une courbe de progression assez irrégulière où on a d'abord un pic de progression hyper jouissif au début, parce qu'on part de zéro. Et moi, je partais un peu de pas grand-chose, en tout cas. Et Mais après, il tu y a un maîtrisais moment les très plis de pantalon. frustrant. Voilà, juste les plis de pantalon, c'était OK. Et par la suite, effectivement, j'ai un peu plus galéré comme tout le monde, parce qu'en fait, enfin, j'ai atteint un plateau de dessin et c'est là où ça devient difficile. Il faut vraiment s'accrocher, il faut être hyper exigeant avec soi-même et tout pour passer ce palier-là et devenir un bon dessinateur entre guillemets. En fait, il y a un plateau sur lequel on se retrouvait un peu tous et toutes dans la classe où on savait tous et toutes dessiner correctement. On pouvait représenter pas mal de choses et tout. Tout était pas mal en fait si on regardait tous les dessins des gens de la classe, c'était tout bien. Mais il y avait vraiment des gens qui passaient ce plateau-là et qui devenaient voilà qui arrivaient à exprimer par exemple qui faisaient des choix de couleurs audacieux et ça fonctionnait ou qui voilà enfin et du coup c'est là où ça devient je trouve très dur pour moi Quand c'était tu as vraiment un appris peu les dur codes et que tu arrêtes juste de les ouais appliquer, en fait, que tu les appropries et c'est que ça tu te en fait permets de les dès casser. que tu c'est ça et du coup moi à ce moment-là je me suis concentré en fait vu que j'ai en fait j'étais pas spécialement déprimé mais j'avoue j'avais pas des très bonnes notes et j'étais à la fois fasciné par le talent des autres élèves de la classe. Enfin, de certains autres élèves de la classe. Et du coup, je me suis concentré, en fait. Moi, je me suis dit, bon, OK, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Enfin, je vais pas arriver à être le meilleur dans tous les domaines de l'école. C'est impossible, en fait, parce que ça demande trop de travail et tout. Puis moi, je suis pas non plus un acharné de travail tant que ça, même si je sors beaucoup de BD en même temps. Non, mais ça fait plaisir à Mais entendre. ça, C'est le genre de voilà, phrase qui en vrai, je suis rassure. pas... Non, non, en vrai, je dessine assez peu de temps par jour. Enfin, je suis pas un gros, gros, gros dessinateur non plus. Et par exemple, je tiens pas de carnet de croquis. Ça, c'est un truc que je conseille tout le temps aux gens qui veulent s'améliorer en dessin, mais que je ne fais pas moi-même, par exemple. Les carnets de croquis, c'est vraiment genre tous les dessinateurs et dessinatrices le diront.
le meilleur moyen de s'améliorer, c'est d'avoir des carnets et de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je me suis amélioré à un moment parce qu'on nous obligeait à faire des carnets et que du coup, j'en ai fait. Mais honnêtement, c'est vraiment le meilleur truc, quoi. C'est tous les jours, en fait, dès qu'on attend quelque chose, on attend un bus ou quoi, on dessine. En fait, on s'améliore forcément, quoi. Et donc, tout ça pour dire que du coup, moi, je m'étais plus concentré sur la partie, ouais, plus BD, illustration et tout. Parce qu'en fait, j'avais déjà des bases. En fait, je me sentais déjà, je savais que j'avais un peu d'avance. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas. Et du coup, je me suis concentré là-dessus parce que ça me paraissait être plus simple pour moi et c'était plus valorisant aussi parce que je voyais que ce que je faisais, ça avait plus rapidement enfin, j'avais plus facilement des bonnes notes Des et bons tout. retours, Donc, voilà. J'ai été un peu flemmard, on va dire. Après, un peu flemmard, Mais... c'est peut-être aussi juste que tu savais où tu voulais aller, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Non, en fait, Et ouais, aussi ça. c'est vrai que dans la flemmardise, des fois, il y a du bon, je trouve, et notamment, des fois, ça permet d'éviter de faire des allers-retours, de se perdre, en fait, quand on veut tout faire et tout. C'est vrai que c'est un peu risqué, surtout dans le dessin, en fait. Tu disais tout à l'heure, j'analyse les plis de pantalon et tout. Je suis désolé, je fais une fixette sur ce pli de pantalon, mais je trouve ça ouf à 10 ans de se dire, genre, il faut, enfin, que ce soit un détail aussi précis. Tu vois que tu te dis, genre, j'ai envie d'apprendre à dessiner des mains, j'ai envie de réussir des yeux ou j'ai envie de faire des visages réalistes. Je me dis, ça paraît évident parce que bah, c'est là où tu vois que tu progresses, mais t'arrêter à un pli de détail d'un pli de pantalon, je trouve que déjà, c'est que tu as un œil petit où tu te dis, genre, il y a une certaine, ouais, un certain côté très professionnel dans l'analyse dont tu regardes ton dessin. Et tu dis qu'à ce moment-là, tu te dis, ce que je veux, c'est être publié. Donc, c'est-à-dire que dès Ouais. petit, tu sais où tu vas et tu veux faire de la bande dessinée, en fait. Ouais, ça c'est vrai que oui, carrément, j'ai vraiment eu cette obsession assez tôt et j'étais pas conscient que c'était un truc si. Enfin, moi à l'époque, ça me semblait pas être un truc incroyable, mais c'est vrai que maintenant avec du recul, je me dis, ouais, c'est cool, c'était quand même, dans un sens, il y avait quand même une logique dans ce que j'ai fait jusque-là, c'est-à-dire que effectivement, j'ai pas trop eu. Enfin, j'ai eu des phases par exemple, j'avais pas trop de rêves. En fait, ouais, c'est vraiment le principal rêve que j'ai eu dans ma vie quand j'étais avant de le devenir du coup. Mais c'est vrai que j'avais pas trop par exemple ces obsessions sur je sais pas par exemple je rêvais pas d'être un musicien un rappeur ou qui est un peu plus je pense classique parce que bah enfin c'est Oui, je vais super être d'avoir une ce rêve-là star, hein, mais c'est oui, juste classique. ouais voilà parce qu'en fait je pense que j'étais déjà plus ou moins conscient que qu'en gros ça correspondait pas à ma personnalité que j'étais un peu introverti et tout donc je me disais bah en fait quand je m'imaginais par exemple je sais pas, quand je m'imaginais sur une scène avec une guitare électrique ou avec un micro et tout, je trouvais ça absurde, quoi. Ça me semblait complètement aberrant que je puisse faire ça un jour. Du coup, j'arrivais pas à rentrer dans le fantasme de. Enfin, moi, j'avais besoin que le scénario il soit crédible, entre Ouais. guillemets, pour que ça me fasse plaisir. Et du coup, j'arrivais pas à rentrer dans ce scénario-là où j'étais un chanteur, etc. Alors que auteur de BD, enfin, ça semblait beaucoup plus évident, en fait, parce que bah. Je m'imaginais facilement être à ma table de dessin, ce que je faisais à ce moment-là. Et juste le petit truc, le petit scénario que je m'imaginais, c'était genre, je donnais des interviews, des trucs comme ça. Et j'imaginais que genre, c'était trop intéressant ce que je disais et tout. Enfin, voilà quoi, c'était plus mon petit fantasme d'enfant. Mais sinon, j'avais pas trop des rêves, ouais, j'ai jamais eu trop des trucs de fou. Même acteur et tout, ça me semblait pas. Enfin, je m'en souviens pas. J'ai pas du souvenir d'avoir fantasmé d'être un acteur. Par contre, effectivement, auteur de BD, ouais, très vite, c'est auteur de BD ou écrivain. S'il y a un moment où je me disais, je serais écrivain, je vais écrire des trucs et tout. Mais c'était un peu même. Enfin, c'est un peu même principe, quoi. Tu parles de fantasme en disant je ne suis pas fantasmé rockstar et tout, mais je me fantasmais auteur de BD. Quand tu dis ça, il y a un côté un peu évanescent de oh, c'est juste un rêve, etc. Et pourtant, la phrase que tu as dite quand tu parlais de ces plis de pantalon, c'est je veux être publié. C'est quand même vachement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté de oh, j'adorerais être auteur de bande dessinée et je veux être publié. Oui, non, t'as Donc, c'est raison. quand Non, même c'est vrai que très c'était arrêté, vraiment un quoi. truc, ouais. C'est vraiment une obsession que j'avais. Et d'ailleurs, j'avais. Enfin, non, effectivement, je pense que c'est un peu ce qui peut différencier. J'avais entendu une interview de Léa Muraviec, qui est une autrice de BD qui marche très bien en ce moment, qui a fait une super BD, Le Grand Vide, récemment. Qui parlait de son rapport à la BD quand elle était jeune, et elle disait la même chose, elle disait qu'elle était obsédée par la publication et tout, donc je suis pas le seul à avoir cette obsession-là, mais c'est peut-être un truc d'auteur ou d'autrice, je sais pas.
Mais oui, effectivement, ouais, genre moi j'étais vraiment, je me disais, en fait je voulais, pour moi il fallait que je sois publié très très vite, quoi. C'est-à-dire que je me disais, si je peux être publié, je me lançais des défis un peu, genre si je peux être publié en arrivant au lycée, ça serait bien, comme ça les gens, En arrivant en au fait je lycée? m'imaginais, oui, non mais c'était Ah absurde évidemment, oui. mais à l'époque je me disais, si je fais ça, tu vois, les gens, ça, enfin, je me disais, mais ils vont, ça sera dingue, quoi. Genre le Ils vont lycéen péter un câble, le petit protégé de qui le petit prodige de oui, la bande c'est ça, dessinée et genre, tout, le Mozart de la BD. ils vont, c'est ça. Je regardais dans les trucs, je me disais, mais personne n'a jamais publié une BD au lycée, donc si je le fais, ça sera incroyable et tout. Mais voilà, enfin, c'était plus, en fait, c'était plus une espèce de performance qui, d'ailleurs, était pas forcément très saine, mais disons que oui, du coup, ça m'a motivé à me professionnaliser assez rapidement. Ouais. Quand tu dis, genre, Dans tout le ces monde va domaines-là. trouver ça incroyable, le tout le monde, c'est le monde de l'édition ou c'est tes camarades de classe? Non, c'est vraiment, je pense, non, parce qu'en ah, quoique, si, non, je C'est, réfléchis. est-ce que c'est le truc de rentrer au lycée comme une rockstar en mode, eh ouais, je suis publié, les gars? Ou est-ce que c'est le truc de tes pères qui regardent, qui disent, genre, waouh, il faut qu'il fasse partie de notre monde, il est brillant en tant qu'auteur? Ouais, bah, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'il y avait un truc. Ça va paraître un peu. Non, franchement, c'était vraiment un truc. En fait, ça va paraître un peu absurde parce que c'est pas du tout le bon choix stratégique pour ça. Mais en fait, j'avais une obsession. Enfin, j'avais hyper peur. Bah, en fait, j'avais beaucoup d'angoisse déjà à l'époque. Et j'avais hyper peur de, bah, notamment de ne pas avoir de travail. Je me disais, en fait, je m'imaginais par exemple des stratégies si j'arrivais pas à avoir de travail. Je me disais, ah, je pourrais habiter à tel endroit. Enfin, en fait, j'étais hyper pessimiste Ok. sur mon futur. Et du coup, à la fois j'avais ça et en même temps j'avais trop envie de faire de la BD et tout et d'être publié. Et du coup, je pense que en fait, il y avait un truc vraiment. Enfin, ça va paraître un peu bizarre, mais ouais, hyper stratégique où je me disais, plus tôt je serai publié, plus j'ai de chances d'en faire mon métier et plus ça peut. Marcher en fait, mais c'est hyper triste dans la tête d'un enfant, mais j'avais vraiment ce truc-là. Je pense que c'était plus ça que vraiment flexer devant mes potes et tout, parce qu'en plus je parlais à personne que je faisais de la BD, je montrais pas mes trucs à l'école et tout, donc je pense pas que c'était vraiment lié à ça. C'était plus un truc de, mais après oui, il y avait aussi le truc d'avoir de la reconnaissance publique, etc. Ça c'est évident. Mais je pense qu'il y avait vraiment ce truc aussi de me dire. Si je commence tôt, j'ai plus de chances tu vois, d'arriver à m'insérer dans le milieu et de gagner de l'argent avec ça et tout. Ce qui est complètement con parce que c'est pas le but. Mais je me sens qu'il y avait un petit Ah peu de bah ça aussi. vivre, c'est chouette quand même. Oui, non, mais C'est voilà, pas c'est ça. mal de payer Mais son loyer, ça bouffe quand même, c'est assez chouette. disons que c'est pas forcément des pensées, je pense, enfin, tu vois, super. Je sais pas, quand t'es petit, tu te dis plus, tu vois le truc un peu. J'avais déjà cette obsession un peu réaliste de vivre de la BD et tout, quoi. Et je m'étais déjà un peu renseigné, genre au lycée, enfin au collège lycée, je m'étais déjà renseigné un petit peu sur le métier. Je savais que c'était hyper dur de ça et tout, donc j'étais un peu, voilà. Et aussi, en fait, je pense que tout ça, c'était lié au fait que j'avais très peu confiance en moi dans les domaines on va dire, scolaires classiques. Et je me voyais pas du tout intégrer, tu vois, une fac. Je me souviens qu'à un moment, j'ai un peu lâché le dessin. Et du coup, je commençais à envisager, tu sais, de faire des facs de lettres ou des facs. J'ai envisagé de faire une école de journalisme aussi à un moment. Et en fait, à chaque fois que je m'imaginais dans le truc, je me disais, non, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi et tout. Et du coup, en fait, la BD, ça me semblait être le seul truc où je pouvais performer un petit peu et faire des trucs qui me plaisent et prendre du plaisir à le faire. Du coup, c'était pour moi, c'était hyper important, en fait. Parce que, du coup, je me disais, c'est ma seule porte de sortie, ou je sais pas. J'ai un peu vécu comme ça, quoi, en tout cas. T'as un gros mélange en fait de à la fois c'est tout ce que je veux faire parce que c'est ce que j'adore et c'est ce qui peut me rendre heureux et à la fois un truc ultra terre à terre et réaliste de je suis une quiche partout ailleurs donc le seul truc qui peut me sauver c'est le dessin Ouais, et c'est c'est vrai, un ouais, c'est mélange vrai. des Mais deux c'est vrai assez que ouf quoi. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me sentais, ouais, en fait, j'étais assez médiocre un peu partout, même si j'avais clairement des trucs, par exemple, la littérature, j'allais dire l'histoire, mais même pas. J'étais nul en histoire aussi. Mais non, je pense que c'était vraiment juste la littérature et la philo un petit peu aussi où je m'en sortais pas mal. Mais vraiment, je brillais pas non plus, tu vois. J'avais des notes potables, mais c'était pas. Du coup, j'avais besoin. Puis je pense qu'on a tous besoin de trouver un truc dans lequel on arrive à. En fait, on se sent à l'aise et tout. Du coup, c'est vrai que comme j'avais ce truc-là, je m'y accrochais vachement, en fait. Je me disais, j'ai ça que les autres ne font pas et que moi je fais et que j'en fais depuis des années. Donc, il faut que. En fait, c'est pour ça que
Moi, je crois pas trop au truc du destin, de se dire lui, il était fait pour faire de la BD ou quoi. C'est plus, j'ai l'impression que c'est un truc quasi algorithmique où on se met dans un. En fait, on sait qu'on. Je sais pas comment dire, mais je me disais, il faut que j'ai cette brèche que j'ai ouverte et il faut que je me crée le mythe, entre guillemets, de moi qui réussis ça pour réussir, en fait. Mais c'est absurde parce que, en fait, c'est pas. Je pense que c'est. Enfin, c'est pas absurde parce que ça aide à se concentrer sur quelque chose. Mais du coup, c'est un peu aussi, on se met un peu des œillères, quoi, voilà, pour se concentrer sur l'objectif, entre guillemets. C'est ce que j'appelle l'arbre de compétences de RPG. Tu sais, dans un jeu vidéo, tu as ton arbre de compétences, tu montes Oui, ta tout à force, ton fait. intelligence, ton Ouais. truc, ton machin. Et du coup, quand je réfléchis, j'essaye de réfléchir comme ça en me disant, alors, qu'est-ce que tu sais faire et où est-ce qu'il y a des pics dans ton arbre de Ouais, c'est compétences? ça. C'est ça. Regarde les pics et essaye de définir la classe qui va avec. Ok, c'est cette C'est ça. classe le mieux, on va aller Moi, faire ça alors, tu vois. j'ai monté uniquement la classe auteur de BD. Dessin, raconter des histoires et pouvoir les partager. Ok, auteur de BD, ça colle. Hop là. C'est ça. Exact. Je trouve que c'est quand même une chance, hein, parce que, enfin, ça peut paraître, enfin, au vu de ce que tu as dit, tu vois, ça a des bons et des mauvais côtés en soi, mais on peut tellement se perdre dans le parcours scolaire que je me dis que quand tu arrives à te raccrocher, même si c'est qu'une seule chose, mais à te raccrocher à ça et à réussir à pousser le truc, enfin, c'est déjà, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Oui, c'est en fait ça paraît rien, mais c'est hyper important, effectivement, de. Et en fait, d'ailleurs, même sans parler de. Parce que là, on parle on va dire, de tous les domaines possibles, mais même en se concentrant juste sur le dessin, je sais qu'à l'école, en fait, il y avait beaucoup d'autres élèves dans ma classe et dans d'autres promos qui étaient hyper talentueux et talentueuses, mais en fait, même bien meilleurs que moi en dessin et dans plein d'autres domaines. Et en fait, ils se sont perdus dans. Enfin, pas forcément, ils se sont. C'est un peu. Enfin, c'est un peu fataliste ce que je dis, mais beaucoup se sont trop éparpillés, en fait, je pense. Et en fait, du coup, en fait, même juste dans le domaine du dessin, c'est tellement large qu'il faut vraiment se. Ouais, il faut trouver un axe, un truc, parce que sinon, c'est impossible. On peut pas masteriser tous les domaines à moins d'être un génie ultime Ouais. du dessin. Et encore, même, je pense Et que à c'est part de compliqué. Vinci, on n'en a pas croisé les masses. Voilà, c'est ça. Et effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus. Et j'ai eu des conversations plus tard avec des gens de l'école qui me confirmaient un peu cette sensation-là, où des gens me disaient, ouais, à un moment, en fait, dans l'école, je savais, j'avais envie de trop. Faire trop de trucs et en fait je me suis un peu perdu et maintenant je sais plus quoi faire, je me sens trop parti dans tous les sens et c'est vrai que c'est un vrai après voilà, c'est pas le but, c'est pas de dire il faut pas expérimenter parce que c'est important d'expérimenter, mais c'est vrai que même voilà, c'est je pense il faut quand même garder un peu en tête une petite musique d'un truc qu'on a envie de faire et se concentrer là-dessus. Moi c'est comme ça que j'ai géré cette angoisse qui est un truc hyper important dans notre génération, je pense, où De ouf. on est tous perdus parce qu'on a plein plein de possibilités et tout. Enfin, c'est juste trop dur de trouver sa voie, en fait. C'est trop compliqué, en fait. Mais comme dit Guimauze, il y a un côté vraie chance, et surtout, il y a un truc, moi, qui m'épate un peu, c'est que c'est généralement ces choix, c'est des choix qu'on te demande de faire à un âge où tu es en pleine construction, et où donc, du coup, tu sais pas trop ce qui se passe. Et même toi, tu sais pas vraiment ce que tu veux ou quoi. Et pourtant, à ce moment-là, tu arrives à te dire, genre, OK, il faut que je fasse des choix. Et faire des choix, ça veut dire laisser tomber des trucs dans lesquels, en plus, on te demande d'être bon. Parce que ça veut dire que tu laisses tomber un peu cette matière, que tu oublies un peu cette matière et que tu te concentres que sur celle-là. Alors que la structure même qui est censée te former à faire ton taf te dit, fais tout. Et Ouais, là, il c'est faut quand ça, même un petit exactement. peu de caractère pour te dire, genre, non. Ouais, c'est sûr. Et en fait aussi, il faut se confronter à des avis de. Enfin, moi, par exemple, j'avais des profs à l'école, j'ai souvenir d'un prof, par exemple, qui m'avait dit. Enfin, à un moment, et ça m'a beaucoup marqué, j'en parle tout le temps, mais ça me marque encore aujourd'hui, mais à un moment, j'ai un prof qui m'avait dit. En fait, on devait faire un dessin animé, et en gros, pour résumer un peu, dans mon école, il y avait un côté très traditionnel où on passait par des étapes où on devait. Tout faire de manière hyper traditionnelle. Donc, par exemple, le dessin animé, on faisait du dessin animé en feuille à feuille, c'est-à-dire qu'en gros,
On dessinait un dessin, ensuite on faisait une autre feuille. Ça, c'est vraiment un truc qui se fait pas du tout en dessin animé aujourd'hui. Plus personne ne travaille comme ça. C'est juste que c'était un peu une obsession de l'école, qui était La intéressante, mais des fois tradition. qui était un peu abusée, je trouve. Ouais, de vraiment retrouver ce truc de la tradition, de retravailler un peu comme les anciens faisaient. Du coup, voilà. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec tout ce que je voulais raconter, mais en gros, on devait donc faire un dessin animé sur un petit bonhomme qui chute. Donc, c'est-à-dire qui tombe dans le vide. Un exercice qui était grave bien, d'ailleurs, j'en sens, j'avais trop aimé, même si ça paraissait très dur. Et en fait, moi, j'avais fait. Et en fait, du coup, je m'étais dit, ah, trop bien, je vais pouvoir enfin faire mon style de dessin. Je voulais faire mon style de dessin, mais avec un perso à moi, comme ça, qui tombait dans le vide. Qui était à peu près le style que j'ai aujourd'hui, mais en beaucoup moins abouti, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai compris entre-temps. Et le prof m'avait dit, ouais, c'est cool ton dessin animé, par contre, ton style franco-belge pourri, là, enfin, laisse tomber, c'est trop moche et tout. Et en fait, je Oh m'étais la pas rendu compte, tu vois, parce que, violence! un truc vraiment comme ça, tu vois. Ton Et style je me suis franco-belge pourri alors que c'est la première fois que tu fais dit, ton truc. Genre, ouais, Oui, c'est ok. ça. Mais en fait, ouais, c'est ça. Et non, c'était pas la première fois que je le faisais parce que j'avais déjà d'autres cours. Il y avait, non, parce que, en fait, je pense que ça aurait été terrible si c'était la première fois que je le faisais. Ouais, Mais genre en la fait, première fois où il y avait un t'oses. autre cours. Bah. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y avait un autre cours où par contre, on pouvait exprimer plus, le dessin de manière plus personnelle et tout, et où j'étais assez valorisé pour ce que je faisais, enfin, pour mon style, entre guillemets. Donc, du coup, Oui, j'étais donc pas ça t'a pas détruit, 100%, ouais. tu vois. Non, ça m'a pas détruit 100%, mais honnêtement, sur le moment, je me souviens que ça avait résonné, tu sais, comme dans les films, dans ma tête, la phrase et tout. Et le soir, j'étais rentré chez moi et j'avais commencé à sortir des bouquins d'anatomie, genre des trucs hyper complexes et tout. Et j'étais en mode, c'est bon, je pars de zéro, je refais tout, quoi. Donc, pour dire à quel point une phrase, ça peut te mettre complètement sur une autre direction, parce que je m'étais dit, mais il a raison, en fait, s'il a eu cette réaction d'emblée, parce qu'en plus, je pense que c'était même pas mal intentionné, c'est juste qu'il s'est dit, c'est moche, quoi, donc il faut qu'il voilà. Et du Il coup, t'a dit ce qu'il voulait comme style, ouais, je parce que Code, il dit ton style franco-belge, ça voulait dire quoi? Il voulait du Marvel? Qu'est-ce qu'il voulait comme style? sais pas, franchement, je sais pas, parce que j'étais un peu abasourdi, j'avoue, j'ai même pas demandé qu'il attendait de spécialement de moi, mais je pense que c'est juste que le style que j'avais adopté à ce moment-là, il me plaisait pas trop, quoi, mais voilà, enfin, en fait, ouais, c'était, c'est, non, franchement, je sais pas, je Gimose, elle pense que s'est oui, mise en t'attendais un style, position, quoi. elle est prête à monter en l'air ton prof, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Genre. Vas-y, donne-moi son nom. Vas-y, donne-moi le nom, là, on y Je va. me souviens même plus en plus de son nom. Mais en plus, il était sympa, hein, par ailleurs. C'était même pas un prof spécialement méchant. Je pense que c'était vraiment. Il a dit un peu ce qu'il pensait comme ça, quoi. Mais en fait, je pense que. Oui, non, ce qu'il attendait pour répondre à ta question, c'était, je pense, un style plus neutre. Tu vois, genre beaucoup plus neutre, avec des proportions plus humaines, un style un peu plus réaliste, entre guillemets, quoi. Et du coup voilà, enfin bref, et du coup le soir j'avais commencé à sortir des trucs et tout, j'avais redessiné, en fait je m'étais mis en tête qu'il fallait que je change complètement de dessin, et en fait en faisant je me suis dit non mais en fait ça m'a fait prendre conscience, je me suis dit non mais c'est normal, enfin ça va arriver tout le temps, il y a des gens qui vont pas toujours aimer tel dessin et tout, et du coup disons que voilà, ça m'a fait relativiser un peu le truc. En fait, Oui, ça ça fait m'a permis comprendre de que tu pouvais pas relativiser un plaire à peu. tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça. Mais j'avoue, ça m'a quand même bien mis le doute à ce moment-là. Tu m'étonnes. Et voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais ouais, ce Parce que genre c'était le de fait de truc peut choisir, en fait. effectivement. De dire, Voilà, c'est genre, je ça. m'accroche à un truc. Et Voilà, c'est là, ça. bah, c'était ton style. C'est Exactement. que ton style, je t'ai dit, c'est mon Et je style. pense Et que. en Ouais. avant. Et je pense qu'en tout cas, c'est important. Et j'ai l'exemple d'une autre fille dans la promo, que j'aime beaucoup son dessin aujourd'hui, encore qu'elle fait, qui avait un style qui, en fait, ce qui est marrant, c'est elle avait tout le temps cette remarque des profs, parce qu'en gros, par exemple, quand on faisait du portrait, des dessins de, je sais pas, je pense à des dessins de plâtre, genre on dessinait des plâtres, des trucs comme ça. En fait, elle faisait un peu dans son style, et ça énervait de fou les profs, parce que, elle mettait ses propres couleurs et tout, et c'était pas réaliste et tout, et ça énervait les Alors profs. qu'il cherchait vraiment Et le dessin elle. d'observation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est normal, enfin, je comprends pourquoi ça les énervait, entre guillemets, parce que du coup, enfin, elle voulait pas vraiment jouer l'exercice. Mais mine de rien, en fait, elle a pu développer. En fait, elle a fait son chemin, et petit à petit, elle a quand même eu. Enfin, c'est une des personnes dans la classe qui avait le style le plus fort en sortant de l'école, parce que du coup, elle a un peu. Voilà, c'est tout ça pour dire que des fois, il faut, je pense, pas forcément écouter tous les conseils. Il faut aussi sélectionner certains conseils. Parce qu'en fait, si on écoute tous les conseils, c'est juste impossible. En fait, il y a des profs qui ont Oui, des tu avis peux pas faire tellement plaisir à tout le différents monde. sur plein de trucs que
Dans le dessin, c'est impossible en fait de d'écouter tous les conseils. Donc il faut faire ses choix aussi de qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on. Il faut choisir en fait. Voilà. En vrai, ça vaut pour tout, hein. Comme le prof de maths qui en cinquième te dit tu Oui, n'iras c'est nulle vrai. part dans la vie sans les mathématiques, quoi. On serait tous mathématiciens Ouais, si on écoutait les c'est profs de ça, maths, ouais. quoi. Faut faire des choix en fait. Mais en plus, enfin, je sais pas, l'art de manière générale, c'est tellement une question d'individualité que je trouve ça quand même dingue de vouloir unifier tellement une pratique. Enfin, après, je pense que ça dépend aussi de là où on fait ses études, de la dynamique générale, et si c'est un peu plus classique ou un peu plus, on va dire, flexible, mais je sais pas, c'est hyper Ouais, important, carrément. le style, le caractère, même si c'est si c'est pas commun. Au contraire, plus ça de chien de caractère, plus c'est identifiable, plus ça a sa chance d'avoir une vraie Ouais. place, en fait. Enfin, Est-ce que c'est quelque Ouais, chose qu'on carrément, vous bah encourageait à faire ou pas du tout? C'est-à-dire que je conçois bah que en dans les fait études, on te force à apprendre les grands traits classiques en te disant il faut que tu apprennes la technique, il faut que tu aies des bases, et qu'après, est-ce qu'après, une fois ces bases maîtrisées, on vous dit vous pouvez tout faire péter et allez-y, soyez vous? Ou est-ce qu'à aucun moment donné, on vous donne cet espace de liberté? bah en fait si, il y avait quand même un moment, en fait il y avait un moment où en fait ce qui était compliqué, c'est que enfin, selon moi, ce qui pouvait être compliqué, c'est qu'il y avait deux phases dans l'apprentissage. Il y avait une phase très enfin, justement très théorique, pas théorique, pardon, très générale, Académique. où on devait maîtriser un peu tout, mais très académique, voilà, exact. Et une phase où d'un coup, on devait masteriser un style en 2, 3 ans. Et en fait, je trouve que c'était un peu trop séparé, selon moi, où en fait, je pense qu'il faut que ça soit beaucoup plus fluide. Je pense qu'en fait, il y a des moments où pendant l'apprentissage, il faut quand même commencer à diriger les élèves vers une voie qui semble être celle qui correspond à ce qu'ils veulent faire, pour que ensuite, quand ils arrivent dans cette seconde phase qui est très importante, ils aient quand même de la matière. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut pas du jour au lendemain te balancer, te dire bon bah voilà, c'est bon, maintenant Oui, faut que tu trouves sois ton toi. style. Voilà, et c'est pas possible. En fait, ça met du temps. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu sauvé, entre guillemets, par ma flemme de trop m'attacher à trop de trucs en même temps et tout. Je me suis dit, non, mais moi, je vais me perdre et tout. Du coup, je suis allé dans cette direction et au final, j'ai l'impression que ça m'a été plutôt positif. Voilà. Mais oui, en fait, il y avait quand même ces deux phases-là. Après, je dis ça, mais il y a des gens, je pense, à qui ça peut convenir, quoi. Il y a des gens qui. Je pense qu'il y a des gens qui d'abord ont besoin d'apprendre, d'emmagasiner plein de connaissances et tout, et ensuite ils font plein de trucs différents, ils choisissent un truc et bam bam. Mais voilà, c'est des profils différents, quoi. Du coup, tu fais tes études d'art, tu pètes les codes parce que tu es une feignasse et donc du coup, tu développes ton propre style parce que c'est ce que tu avais envie de faire. Comment est-ce que de là, tu deviens auteur de bande dessinée? Parce qu'il y a un monde entre sortir d'école et être un auteur qui est publié. Ouais, carrément. En gros, j'ai pour en fait dans ma première expérience avec l'édition, j'étais encore à l'école, justement, j'étais encore pendant mes études. En fait, j'avais pré-publié, enfin j'avais non, j'avais pas pré-publié, j'avais juste publié sur Tumblr à l'époque. C'était l'époque, la fin de Tumblr. J'avais publié un espèce de blog, parce que à l'époque j'aimais bien Star Wars, comme cette affiche l'indique encore aujourd'hui. Enfin, j'aime toujours Star Wars d'ailleurs, mais je suis un peu moins, j'avoue, je suis un peu moins fan. Enfin, ça m'a un peu gavé au fur et à mesure des années. Oui. Même pas spécialement lié à Disney, mais juste j'ai découvert trop de trucs, je pense, entre-temps. Du coup, ça m'a un peu moins. Mais voilà, j'aime affectueusement Star Wars comme beaucoup de gens. Et en gros, j'avais vu le dernier Star Wars, donc qui était, enfin, le nouveau Star Wars qui était sorti, c'était donc le 7 dans l'ordre chronologique. Et en fait, j'avais adoré le perso de Kylo Ren, qui était un personnage que je trouvais super bien, en fait, super bien écrit, même si plein de gens le détestent. Moi, je l'adorais, et Beaucoup de gens qui trouvent que c'est une j'aimais bien, en pleureuse. fait, oui, voilà, c'est ça, mais justement, moi, j'aimais bien ce C'est un petit personnage-là, je gamin m'identifiais un colérique. peu à ce perso, c'est ça. Et en plus, je trouvais ça intéressant, l'idée d'avoir pris complètement à contre-pied Dark Vador et d'avoir ce personnage qui est tout le temps obsédé par l'idée de ressembler à son père, qui se sent pas à la hauteur, en fait, finalement, de la Oui, tâche. qui Et veut donc, ça, c'est construire une son idée que je mythe. trouve hyper forte. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, ce personnage, me plaisait beaucoup. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un potentiel humoristique intéressant avec le perso, parce que on pouvait imaginer toute ses névroses dans la vie quotidienne, dans son vaisseau et tout. Du coup, je trouvais ça intéressant. Donc, j'avais fait quelques épisodes d'un truc que j'avais appelé Kylo Life en anglais. Et c'était sur Tumblr.
Et la BD avait eu pas mal de succès sur Tumblr. J'avais beaucoup de gens qui commentaient, qui Qui repartageait? comment on dit, oui, qui repartageaient. Et du coup, à ce moment-là, il y a une éditrice qui m'avait contacté. Donc c'était Jungle, mon premier éditeur, pour en faire une BD. Pour, je pense, bah, en fait, il y avait le nouveau, enfin le 8 qui allait sortir. Et du coup, bah, en fait, c'était aussi un peu pour surfer sur le succès de la série. Et du coup, moi j'étais trop content parce que je voulais trop faire ça, enfin je voulais trop faire de la BD et tout, et je voulais trop être publié comme je l'ai déjà expliqué. Et Ah du coup, bon? j'avoue, j'ai tout de suite dit oui. Par contre, je me suis rendu compte que ça allait être, en fait, je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué avec les études en parallèle. Du coup, j'avais travaillé dessus avec ma copine qui m'a aidé, enfin qui a fait la moitié des épisodes et qui a écrit aussi la moitié des épisodes. Et du coup, ça m'a permis de, bah, en fait, ça nous a permis tous les deux d'avoir une première petite expérience Un pied éditoriale. dans la même. Ouais. Et voilà, c'est ça. Mais honnêtement, c'était un peu dur dans le sens où je pense que je me rendais pas compte de ce que ça représentait de publier 100 gags sur Star Wars, alors qu'en Oui. plus, genre, j'étais pas non plus fan au point de, tu vois, d'en consacrer un Ouais, de tout bouquin, tout connaître, ça. ouais. Ça, c'était, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui était trop marrant, c'est que quand il est sorti, en fait, il y avait des épisodes qui se partageaient sur 9gag à l'époque, et il y avait des gens qui me surclashaient parce que je connaissais trop mal l'univers Star Wars. Je faisais tout le temps des incohérences dans les épisodes, genre. Il me disait, ouais, mais attends, là, il y a un tel, il peut pas être là parce qu'en fait, à ce moment-là, il est sur Tatooine et du coup, machin, et j'étais genre, putain. Donc, Mais je m'en c'était fous, je marrant. veux Mais bon, juste écrire après. de la BD. Je veux juste faire des Est-ce blagues, que, mais ok? est-ce que bah, la communauté Star Wars hardcore est vraiment. Bah, c'est comme toutes les Ouais. communautés de grosses licences, quoi. C'est des gens qui sont obsédés par le réalisme de la série et tout. Qui d'ailleurs est très discutable dans Star Wars, donc bon. Oui. Mais voilà. Surtout depuis le rachat de Disney, quoi. Et. Bonne chance. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout ça pour dire que c'était une expérience intéressante, mais un peu fatigante sur le long, enfin sur la, sur le, voilà. Donc, mais c'était une bonne expérience de. En fait, en gros, ça m'a permis de comprendre déjà comment tu sais, aborder un contrat, en fait, tout simplement. J'avais pu demander de l'aide à mes profs et tout. Donc, c'était cool. C'était une bonne première expérience. Et après ça, du coup, j'ai rencontré bah, Lewis Trondheim qui, par un miraculeux hasard, s'est trouvé être, enfin, mon prof à l'école, alors qu'il n'avait jamais enseigné dans cette école. Donc, c'était assez cool parce que Donc, c'était pour mon replacer idole. dans le contexte, Lewis Trondheim, que tu as adulé à l'époque, puisque tu disais que tu l'avais beaucoup Oui, c'est redessiné et ça. tout, etc. Et d'un coup, il se retrouve C'est ça. prof dans ta classe. Voilà, c'est ça. Et en plus, Lewis Trondheim, Ça pour va, ceux le qui premier connaissent jour pas, de c'est un cours? auteur. C'était pas trop rude d'arriver? Ouais, non, j'étais hyper stressé, j'étais hyper stressé. En fait, j'étais à la fois hyper excité, hyper stressé. Et je m'en souviens que j'avais très mal dormi la veille. Tu Parce que m'étonnes. j'avais très peur que je fasse un truc et qu'il trouve ça nul ou que, voilà, enfin, donc Avec ton dessin j'étais hyper franco-belge stressé et tout. dégueulasse, là, genre, C'est ça, un mélange exactement. Lewis Trondheim, foufou. Bah là ça, je pense que j'aurais vraiment mal vécu s'il m'avait lâché dit un truc comme ça, par exemple, parce que du coup j'avoue, j'étais assez stressé et en même temps j'étais ultra motivé, je voulais vraiment être le meilleur dans sa classe Ouais. et tout, et en même temps je voulais pas qu'il le ressente, c'est-à-dire qu'en gros je me disais faut pas qu'il voit que je suis le gros lèche-botte de service, Ouais, le machin et tout. fanboy, ouais. Donc du coup j'essayais d'être un peu désinvolte, je sais pas comment dire. Je m'étais créé une Genre nouvelle le personnalité pour meilleur, ce faut se cours, m'en mais un peu détacher, mais réalité, quoi alors. oui, c'est Oh, il ça, m'a mis genre 18, ouais, voilà mais un je m'en peu. fous. C'est ça. Et du coup, le premier cours, on avait fait ce qui est marrant, c'est quoi? Enfin, c'est une limite marrante, mais le premier cours qu'on a eu, c'était le thème, c'était ce qu'on appelle l'itération iconique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est bon, c'est un terme un Pas peu du tout. technique en gros, c'est l'itération iconique. En gros, c'est un concept de BD qui est simplement, en gros, la répétition d'une image sur plusieurs cases. Même parfois OK. dans tout un album, enfin ça arrive que ça se fasse comme ça, et il y a juste le texte qui change. Et du coup, je pense par exemple, pour donner un exemple simple, qu'il y a bah, genre Fab Caro qui fait beaucoup ça. Fab Caro, il a fait beaucoup ça avec ses BD. En fait, Lewis Trondheim a quasiment inventé le concept, même si en fait
l'origine, le vrai premier, la vraie première personne à avoir fait ça, c'est assez méconnu, c'est David Lynch. Ok. Qui en gros, le cinéaste David Lynch, en gros, il avait fait en fait, c'était juste une image d'un chien qui aboie, et en fait, il y a toujours un dialogue qui change, et c'est ça en boucle. Et voilà, on voit une image Mesdames et de messieurs, Jim un exemple Caro. sous vos yeux ébahis. Et je pense qu'on peut voir la même chose. Je sais pas si ça serait intéressant de voir si la personne qui gère les images peut mettre David Lynch Comics Dog. Je pense que ça, on peut trouver un truc dessus. Mais enfin bref, c'est pas très grave sinon. Mais oui, en gros, Tu peux, c'est la vraiment régie est un là truc pour de. ça. Elle va devoir poser son Ok. kebab 2 secondes. Chef, Là, il est ah, en panique. j'espère que tu as Vite, fini de vite. manger. Et donc voilà, donc le premier cours c'était ça, on devait faire ça, donc on devait juste dessiner une case et faire une histoire à partir de cette case. Et du coup, moi j'avais fait deux histoires. J'avais fait une première histoire où c'était un gamin qui c'était un quiproquo avec un glacier. Je me souviens plus exactement de voilà exactement. Donc voilà, parfait. C'est la première itération iconique où en gros c'est toujours les trois premières cases c'est la même et la dernière c'est toujours Dans le noir. dans le noir, la nuit. Et en gros, voilà, donc on devait faire ça. Et du coup, ouais, c'est marrant, en plus, The Angriest Dog in the World, je ne savais pas que c'est un peu l'homme le plus flippé, le chien le plus en colère du le monde. plus énervé du monde, ouais. Et du coup, voilà. Et en fait, j'avais fait ça, donc j'avais fait un truc avec un glacier, je me souviens plus de l'histoire. Et l'autre histoire, c'était un gobelin. Donc dans l'univers de la fantasy, les gobelins, c'est des méchants, là. Le Qui visage de essayaient de Guimauve passer. s'allume, quoi. Genre, je pense qu'elle sent poindre la publication suivante, quoi. C'est ça, exact. Oui. Et du coup, il y avait juste un petit gobelin qui voulait passer une frontière, enfin qui passait un mur. En fait, il est en bas d'un mur. Et en haut, il y a un orque. Et il essaie de passer une frontière en expliquant qu'il y a la guerre dans son pays, tout ça. Et donc j'avais fait genre 2 3 pages de ça et du coup j'avoue j'étais hyper content de moi sur cet exercice-là. J'avais trouvé que c'était cool ce que j'avais fait et tout et du coup j'étais assez fier. Enfin je me souviens que j'avais un peu lancé le truc un peu en mode genre non c'est normal, alors que moi j'étais trop C'est un content de lundi mon matin, truc quoi. c'est ça. Et du coup effectivement Lewis Trondheim m'avait dit que c'était vachement bien et tout. Enfin il avait bien aimé l'histoire. Je vais pas vous la re-raconter parce que c'est toujours nul de expliquer une BD, mais pour les curieux et les curieuses, si un jour vous lisez Un gentil orque sauvage, qui est ma première publication, il y a deux trois pages dans le livre qui sont mot pour mot les pages de cet exercice que j'ai remis dans la Ok. BD. La seule différence, c'est que j'ai modifié le plan pour que ce soit pas juste un plan fixe parce que c'était pas très pertinent dans l'histoire. Mais du coup voilà, en gros enfin il avait vraiment bien aimé ces pages-là. Et ensuite par la suite j'ai eu plutôt des bonnes notes dans son cours et tout. Enfin j'ai même eu des très bonnes notes dans son cours avec d'ailleurs ma copine qui était la meilleure de la classe pour lui de remettre à César ce qui est à Allez, César. bam, le créatif studio, le Redonner. créatif duo, quoi. C'est ça, elle était hyper forte aussi en scénario et tout, donc elle avait des très bonnes notes. Et sauf que bah du coup moi donc il nous avait donné son mail à Lewis, à ma copine et à moi pour si jamais on avait des projets à lui proposer. Donc là j'étais comme un dingue parce que j'étais trop Est-ce que je peux te heureux proposer un d'imaginer verre pouvoir samedi rendre soir? C'est un greffe bon quoi. projet. Bonjour. C'est ça. Et du coup genre on va dire 3 semaines après qu'il m'ait donné son mail, je lui ai envoyé genre 40 pages de storyboard de ma BD Un gentil orque sauvage parce que j'étais genre ultra chaud. C'était pendant les vacances et je m'en souviens que j'avais passé les vacances entières à faire ça. Genre j'avais griffonné des storyboards en boucle pendant 2 semaines. Et je lui avais envoyé ça en mode ouais, c'est un truc que j'ai, qu'est-ce que t'en penses et tout, machin. Et il m'avait dit bah écoute, ok, je te le publie dans ma maison d'édition, enfin dans ma collection. Donc c'était Shampoing, enfin c'est toujours Shampoing. Et là j'étais vraiment fou, j'étais trop trop content. Et en même On va temps surtout je commencer par commençais Delcourt, à c'est pas genre, enfin, c'est Delcourt quoi, oui Shampoing. c'est ouais c'est clair, Ouais, enfin, genre, oui ouais. c'était assez ouf. quand les astres Et en plus s'alignent. Oui, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça, c'était vraiment un alignement d'astres. En fait, ça a été hyper, enfin, honnêtement, ça a été assez simple pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas, par exemple, un truc marrant, c'est que on me demande souvent des conseils pour faire des dossiers de Démarcher. BD.
Ouais. Le fameux dossier de BD, c'est un truc où normalement, tu mets quelques pages, tu mets ton synopsis et tout. Je l'ai jamais fait, ça, par exemple. J'ai jamais eu à le faire parce qu'en fait, à chaque fois, bah, en fait, souvent, en gros, j'envoie quelques pages où c'est les éditeurs qui me proposent de faire un projet et tout. Donc, c'est vrai que, par exemple, je suis pas passé par la traditionnelle recherche ou infructueuse où t'envoies ton dossier à genre 1000 éditeurs et t'as plein de refus et Ouais, où tout, tu vas ce qui taper à est, toutes les portes enfin, avec ton petit voilà, c'est ça. carnet sous le bras et C'est tout. ça. Alors, Parce que moi, est-ce qu'on j'avais peut... déjà ce step-up d'avoir d'être pardon, oui. Ouais, non, non, mais vas-y, vas-y, parce que t'es rentré par la grande porte tout de suite, quoi, en fait. Oui. Parce que Bah, si, c'est c'est ce vrai, qu'on j'ai eu de la chance nous aussi. disent souvent les édits, c'est ce que nous disent souvent les auteurs, c'est qu'à partir du moment où la première est sortie, c'est plus facile parce que t'as déjà quelque chose à Ouais. montrer, donc du coup les éditeurs te suivent plus, quoi. Ouais, Mais carrément. du En fait, coup, tu avant... aussi. Pardon. Vas-y, vas-y, mais arrête... non, mais t'excuses pas, Ok, vas-y, c'est ton émission, donc go. non, je disais juste qu'en gros, en fait, je pense qu'il y a un truc aussi qui fait un peu peur aux éditeurs, c'est la. Enfin, ils ont. En fait, une fois que tu as sorti une BD, dans un sens, tu es fiable, entre guillemets, pour un éditeur, parce qu'il se dit, bah, il peut aller au bout d'un projet, tu vois. Et du coup, c'est rassurant, je pense, pour un éditeur. Ce qui est un peu dommage, parce que des fois, ça, du coup, ça crée un petit peu un truc de. Même si, honnêtement, il y a. Enfin. Je pense qu'à une époque, il y avait beaucoup un cercle fermé et maintenant ça s'ouvre énormément. Il y a plein de gens qui sont pas du tout enfin, dans le milieu qui sont publiés et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Juste avant qu'on plonge dans Elliot au collège, qui est du coup ton dernier né, Guimauze, est-ce que tu veux prendre 2 secondes Exact. pour nous parler de ce gentil orque? Oh, oui! Ah, mais c'était il y a longtemps que je l'avais lu, c'était il y a plusieurs années de ça. Mais je sais que ça m'avait beaucoup marqué parce que ne serait-ce que la thématique qui était abordée était hyper intéressante, puisqu'on parlait de tout ce qui était immigration, si je puis dire, mais transposé dans tout un univers de fantasy. Et j'avais trouvé ça du coup hyper intelligent parce que forcément, bah, via le prisme de la fantasy, on peut dire énormément de choses sans que forcément, voilà, des choses soient forcément montrées du doigt exactement. Et je trouvais ça vraiment très très pertinent. Alors, au niveau du pitch, j'ai plus le nom exact de tous les personnages, mais de souvenir, on suivait ben, justement le petit orque là. Dans le coin que vous voyez, qui était quand même, on va dire, qui n'était pas forcément dans les codes, dans les normes de toute sa société, et qui forcément cherche un petit peu sa place, et on le suit tout au long de cette histoire. Voilà, j'essaie de pas trop vous spoiler parce que c'est vraiment une bande dessinée que je vous ai déjà conseillée et que je vous reconseille encore ce soir. Il faut vraiment pas hésiter Merci. à se plonger dans cet univers. Voilà, je sais pas si c'est Bah, merci suffisamment. beaucoup. Ah Ouais, bah, de très bien. ouf, c'est parce que tu me l'avais déjà Bien grave bien résumé. vendu avant Noël, donc Ouais. je me suis dit c'est parfait, elle arrivera très bien à le revendre après Noël aussi, tu Allez, let's go. On va passer Mais je d'un sais pas petit ce qui. personnage brun et facétieux à un autre petit personnage brun et facétieux et très angoissé. On va parler de Elliot. Est-ce que tu peux nous présenter Elliot en quelques mots, Théo? Ouais, carrément. Alors, en gros, Elliot, c'est un projet qui est né d'une proposition à la base de Morgan, le rédac chef de Spirou, qui m'a en fait avait remarqué mon travail. Donc parce que après, donc suite à ça, j'ai fait ma BD L'homme le plus flippé du monde, qui a bien marché sur Instagram, qui m'a amené un peu mon public. Et donc en fait, ouais, du coup, Morgan m'a donc contacté pour me proposer en fait de participer au journal, de devenir auteur dans le journal de Spirou, pardon. Et du coup, en fait, c'était ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la remarque qui s'était faite, c'est que moi, ce que je faisais avec l'homme le plus flippé du monde, c'était déjà plus ou moins c'était dans la logique d'une tradition de ce qui se faisait dans le journal, c'est-à-dire la publication de planches à chute, qui font en gros qui mettent en scène un personnage où il y a un petit fil rouge. Moi, mon fil rouge, c'est l'anxiété, mais où il y a voilà beaucoup de planches à chute et tout, et où on Comme un s'attache un peu Gaston au Lagaffe, par perso, exemple. à l'univers et tout. Ouais, voilà, exactement. Et du coup en fait, c'est vrai que c'était assez logique je pense pour Morgane à l'époque et pour le journal que je puisse intégrer le journal, parce qu'en fait je faisais un peu ça déjà de mon côté. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que la BD franco-belge classique comme ça, on va dire avec des planches à chute, c'est un exercice qui se perd un petit peu parce que c'est assez contraignant
Et c'est plus vraiment adapté à l'air du temps. Mis à part, Instagram a un peu relancé le truc, mais avant Instagram, il n'y avait plus vraiment de raison de faire de la planche à chute parce qu'en fait, c'était très lié au format du journal qui, entre guillemets, obligeait les auteurs et autrices à Où tu avoir fais cette démarche-là. ta planche une fois par semaine et où Voilà, du c'est coup ça. ça permet d'être plus efficace. Et du coup, c'est un exercice qui se perd un peu et que les gens n'ont pas forcément. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver des gens qui ont envie de faire ça parce que c'est un peu contraignant, qui impose beaucoup de règles dans la narration et qui, voilà, qui t'oblige aussi, en fait, en gros, à ne pas trop réutiliser ce que tu as fait avant. Enfin, tu peux réutiliser des trucs, mais tu peux pas tout le temps faire des références à l'infini à des trucs que tu as fait avant parce que les gens vont pas se souvenir chaque semaine, tu vois, de ça. De ce que Ben, tu c'est as un fait peu six ce que je fais semaines avec avant, L'Homme ouais. fait du monde. Hein, Oui, c'est ça, exactement. Et L'Homme fait du monde, c'est exactement ça. Je pars du principe qu'il y a tous les jours des nouveaux gens qui vont découvrir la série. Donc, du coup, il faut qu'ils puissent arriver de n'importe quel épisode et que ça soit le numéro 1 pour eux, quoi. Donc, il faut toujours réfléchir à ça. Et pour Spirou, je fais un peu la même chose, même s'il y a plus de fil rouge avec Elliot. Mais en gros, voilà. Donc, il m'avait proposé ça et je trouvais ça top parce qu'en plus, moi, j'adore cet exercice-là. Je viens un peu de cet exercice aussi dans ce que j'ai lu dans l'enfance et tout. Et du coup, je me suis dit, au début, je voulais faire juste un spin-off de Flipper, enfin de L'Homme le Fait du Monde. Et après, je me suis dit, ah, c'est un peu dommage de faire juste un spin-off parce qu'en plus, j'ai toujours rêvé de créer un personnage un peu à la Titeuf ou Lou ou les Nombrils, etc. Un personnage qui est, voilà, qui est vraiment un symbole d'une BD, etc. J'avais vraiment envie de ça. Et donc, enfin, comme beaucoup de gens, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on l'imagine Oui, que ça va d'avoir ton marcher, mais égérie, quoi. voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, je m'étais dit, ça serait. Enfin, du coup, j'ai quand même gardé le chara design de mon moi enfant, entre guillemets. Mais Oui, parce qu'il n'y a je pas trop l'ai de doute quand réadapté, on te j'ai un voit et peu. quand on voit Elliot. Oui, c'est. Oui, c'est Descendant assez 10. évident. Et d'ailleurs, c'est un chara design que j'avais plus ou moins déjà exploité dans L'Homme le plus flippé du monde, même si c'est pas tout à fait le même, mais enfin, c'est pas le même personnage du coup, mais c'est le même, voilà, le même, un peu le même genre de perso. Et du coup, en fait, je me suis dit, ouais, ça serait intéressant que dans cette BD, pour pas faire trop une redite de flipper, que je m'intéresse beaucoup plus à la sphère du collège avec tous les personnages, que je développe plus de persos et tout, parce que dans flipper, en fait, grosso modo, il y a un seul personnage et il y a deux personnages maintenant avec les derniers, mais globalement, il y a vraiment un seul personnage et les autres persos sont souvent des persos qui lui donnent la réplique ou qui Oui, c'est des servent le prétextes. propos, mais c'est des prétextes exactement. Et là, je m'étais dit, pour une BD, pour Spirou, pour un album vraiment jeunesse et tout, ce serait dommage de rester dans cette logique-là. Et du coup, je me suis dit, je vais vraiment développer un univers du collège avec un collège avec des personnages qui changent jamais ou c'est tout le temps les mêmes. Et en fait, ce que j'avais envie, c'est que chaque perso est vraiment une. Enfin, chaque perso qui est important dans l'histoire, il soit pas trop binaire ou en fait, par exemple, il y a un personnage qui est un peu comment dire, le méchant, enfin pas le méchant, mais le gars qui Oui, bouille un peu tout le monde dans la le classe. bouli, ouais. Bah, cheveux Et orange qu'on peut ouais, c'est voir là ça, à le droite. bouille. C'est ça exactement. Et j'essaye d'expliquer. Enfin, en gros, j'essaye de justifier pourquoi est-ce que, en gros, pourquoi est-ce qu'il en arrive à se comporter comme ça et tout. Et j'essaie, voilà, Oui, de il n'est pas développer un peu méchant l'histoire juste de parce chaque qu'il est méchant, en personnage. fait. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça, c'est basique, hein, mais disons que j'essaye de l'intégrer bien dans l'histoire et que tout soit un peu relié comme ça. Et voilà. Donc, j'essaye de. Donc, c'est parti de là, c'est un peu parti de l'histoire de développer vraiment tout un univers des persos et tout. Pour développer un peu ce truc-là et Quand créer un tu peu parles comme c'était un collège, peu mon petit Nicolas, quoi. ouais, mais le petit Nicolas, tu vois, c'est plein de petites aventures. C'est un petit garçon à qui il arrive plein de choses. Titeuf aussi, on est quand même beaucoup sur de l'humour et sur enfin, de la vanne. Là, le cœur même d'Eliott, c'est le petit personnage qui est juste à côté de lui, qui est son ami imaginaire, mais ami imaginaire, c'est pas le pote avec qui à qui il peut tout raconter. Cet ami imaginaire, c'est sa boule d'angoisse, littéralement, Exact, qui lui bouffe le cerveau en permanence et à la moindre situation où il y a des interactions, Elliot en soi, lui, il est presque plutôt serein et tout va bien, il s'assoit et c'est sa boule d'angoisse qui vient lui chuchoter à l'oreille littéralement tous les pires scénarios qui peuvent se dérouler de C'est tu vas ça, vraiment lui ouais. parler là, mais si tu lui parles ça, tu te rends compte que tu pourrais dire ça et hein, qu'il pourrait se passer ça. Tu peux t'imaginer. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce prisme
de l'anxiété pour parler des années collège? Bah, en fait, bah déjà, c'est parce que c'était pour moi, c'était ce qui était le plus évident. Parce qu'en fait, moi, le collège, c'est une période que j'ai assez mal vécue, pour être honnête. Genre, c'était un moment qui était assez dur où je me sentais. Je me sentais. Enfin, je compte. Enfin, je. J'espérais. Comment dire? J'espérais. Enfin, j'attendais la fin du collège. En gros, pour résumer, je me disais, c'est chiant, c'est un mauvais moment à passer. Et je me sentais pas très à l'aise avec les autres élèves et tout. Je me sentais un peu dans mon coin. J'étais pas spécialement, enfin, comme l'est Elliot dans la BD, j'étais pas spécialement bully tout le temps par des élèves et tout. Mais j'étais très invisible et je faisais en sorte de ne pas exister parce que je savais que j'avais un potentiel d'être bully dans l'école. Et du coup, c'était pour moi, c'était aussi un peu un truc de survie où j'essayais de disparaître un peu. Donc, c'était assez, il y avait une tension permanente un peu dans ma vie à ce moment-là où j'avais toujours peur d'attirer l'attention et tout. Et j'avais beaucoup d'angoisse. J'avais beaucoup d'anxiété à ce moment-là. C'est un peu le moment où mon anxiété a explosé, entre guillemets. Et du coup, et effectivement, enfin, je pense aussi que c'est lié au fait que le collège, c'est une transition hyper violente entre, en fait, d'un coup, du jour au lendemain, je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça, en tout cas. Quand on rentre en sixième, on se rend compte que les codes ont complètement changé. C'est-à-dire que les codes ne sont plus du tout les mêmes. En fait, c'est comme si d'un coup, tout le monde était conscient qu'on n'était plus des enfants et que c'était ridicule de ne pas en être conscient, quoi. Et du coup, il y a cette espèce de transition bizarre où j'avais pas trop CM2, tu joues à compris. chat. Sixième, c'est plus possible, C'est c'est un ça, en fait. scandale. T'es pas un gamin, En quoi. sixième, c'est genre, il y a des Tout le monde se histoires de. Bah, en scrute. fait, c'est plus des histoires de. Exactement. Tout le monde se scrute. On fait attention à comment tu t'habilles. Moi, par exemple, pour la première fois, je prenais conscience de moi, de mon corps. Enfin, j'avais déjà plus ou moins conscience de mon corps, mais pas au point de le voir de voir les autres comme un miroir en fait de mon propre corps, de mon propre style vestimentaire, etc. Et je me sentais toujours mal, c'est-à-dire que j'avais l'impression tout le temps que j'étais mal habillé, que je marchais pas comme il faut, que j'avais une coupe de cheveux pas comme il faut, etc. Je me sentais scruté. Enfin voilà, c'est un moment très intense où je me souviens d'avoir cette voix en permanence dans la tête et tout. Et ce que je trouve intéressant, du coup, c'est de, pour éviter, en fait, c'était tout simplement pour éviter d'avoir tout le temps des bulles de pensée, puisque les bulles de pensée, c'est marrant, mais, enfin, si, comme, en fait, dans la BD, surtout dans le premier tome d'Eliot, il est très souvent tout seul, en fait, à psychoter. Du coup, si c'était que des bulles de pensée, ça aurait été un peu chiant, je pense, dans la BD. Enfin, pas chiant, mais un peu redondant. Du coup, le fait de créer une boule d'angoisse qui, en fait, lui-même, en fait, qui est une partie de lui-même, qui est son ami imaginaire et qui en même temps sont une espèce de guide. Enfin, moi, je trouvais ça drôle l'idée, en fait, que ça soit une espèce de guide, mais complètement pourri, quoi. Genre un guide qui. C'est Jiminy C'est un peu comme Cricket dans qui les est trucs pas de du tout fantasy. bienveillant. Ouais, c'est C'est Jiminy Cricket exactement ça, foiré. oui. C'est exactement Mais il ça. essaye de bien C'est faire, l'idée que j'avais en en tête. vrai. C'était. Oui. Il essaye de bien C'est faire ça, en parce fait, qu'on oui, il s'y n'est pas attache méchant, en à la fait. boule Il n'est d'angoisse. pas Il n'est pas méchant. méchant, ouais. Il Oui. essaye de le Bah, protéger. le but, c'est pas de le détester. C'est en fait, il a peur pour lui en permanence. Et il veut qu'il s'en sorte, entre guillemets. Mais sauf que les solutions qu'il lui donne sont horribles à chaque fois. C'est des trucs où il est tout seul, où il se renferme sur lui-même et tout. Donc il doit apprendre à gérer cette relation qu'il a avec cette partie de lui-même. Effectivement, c'est exactement un Jiminy Cricket complètement pessimiste, en fait. Et ça, je trouvais ça marrant parce que ça correspondait quand même pas mal à ce que moi je ressentais quand j'étais petit, en fait. J'avais l'impression en fait de tout le temps dès que j'envisageais quelque chose j'avais cette voix qui me disait tu ne pourras pas faire ça c'est impossible tu n'es pas assez enfin tu n'es pas assez stylé pour faire ça ou je sais pas Non, mais je trouve et qu'en plus donc ça marche bien voilà dans le ça donne sens où ça montre que c'est extérieur. C'est-à-dire que certes, c'est lui, c'est ses angoisses, mais ça montre bien le côté, la dualité entre le Elliot qui a envie et qui pourrait, et en même temps la voix extérieure, comme tu dis, la voix qui vient te dire à l'oreille, genre, eh, si tu fais ça, tu réalises que tout le monde va se moquer de toi, quoi. C'est Ouais, ce vraiment un côté un peu regard extérieur que tu t'amènes envahissant. sur toi-même. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, bah, ça me permet, effectivement, et c'est exactement ça, et ouais, ça permet en fait d'aborder plein de. En fait, il y a plein de trucs. C'est aussi un écho permanent, en fait, quand quelqu'un lui dit quelque chose, la voix, elle lui rappelle des choses, en fait. Alors moi, c'est un peu un truc que j'avais, genre, je m'en souviens, une fois, bah, à la piscine, quand la première fois que j'avais été à la piscine, il y avait un gars dans les vestiaires qui m'avait dit. Et qui m'avait dit, mais en fait, Théo, t'as une énorme tête.
Je m'en souviens que je m'étais dit, mais comment ça, j'ai une énorme tête et tout. Et en fait, le soir, je m'étais regardé dans la glace et j'étais en mode, mais c'est vrai, j'ai une énorme tête et C'est tout. vrai, Et en fait, pour raison. oui, non, mais c'est, non, mais vous pouvez rire, hein, c'est trop drôle. Il n'y a pas de souci, mais genre, à l'époque, ça m'avait vachement Mais travaillé, ça tu te vois. Je hante, me disais, ouais. oui, ça me hantait, c'était un truc débile, parce qu'en plus, j'ai pas spécialement une grande tête, quoi. Genre, juste, je pense qu'en fait, j'étais un peu mince, enfin, j'étais même plutôt maigre quand j'étais petit. Et du coup, ma tête pouvait paraître un peu disproportionnée si on me voyait en slip de En bain, en slip de bain, l'occurrence. ouais. Et du coup, mais le truc, c'est que, en gros, la petite bête, c'est aussi un écho permanent de ce que lui disent les gens dans la vie. C'est-à-dire que parfois, il va lui rappeler des trucs qu'on lui a dit au collège, etc. Et je trouvais ça marrant de l'utiliser comme un. C'est ouais, c'est une voix qui lui répète des trucs, qui lui rapporte des choses qu'on lui a dit. Voilà. C'est marrant aussi qu'il ait ce rôle-là, je trouve. Je sais pas si tu vois ce Oui, petit puis. comic strip qui est vraiment partout sur les internets. C'est juste en deux strips où t'as une fille qui va se coucher et son cerveau qui lui dit genre, c'est l'heure de dormir maintenant? Elle fait oui et elle a le visage tout serein. Et la deuxième strip, c'est le cerveau qui lui fait, tu te rappelles en quatrième 3 quand t'as essayé d'embrasser C'est Bastien ça. et qu'il t'a dit non? Ouais. Et que là, d'un coup, genre, blam, il te remonte l'angoisse. Bah, la petite boule d'angoisse, je trouve que c'est assez ça. C'est la petite voix extérieure qui vient en Ouais, permanence carrément. parasiter ta tranquillité, quoi. Parce que Puis même, il y a ça une case. dynamise beaucoup les planches, en fait, hein. Ouais, Le c'est simple ça. fait d'avoir toujours un petit personnage à côté, en plus, si c'est destiné à la jeunesse, c'est encore plus justifié d'avoir quelque chose qui incarne, quoi. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. Oui, Il y a c'est le une template. planche à un moment. Après, tu peux mettre ce Ouais, que c'est tu ça, le veux. template classique. Et après, tu mets ce que tu veux. Oui. Genre, tu te Ouais, rappelles quand t'es ouais. tombé au réfectoire en sixième, tu vois, genre. Ouais. Voilà. C'est ça. Il y a une planche où il y a deux fois dans la bande dessinée où le petit monstre d'angoisse manque presque de disparaître. Il y en a une que je ne vais pas spoiler parce que il disparaît pendant 4 jours et que ça fait fil conducteur sur le reste de la BD. Mais il y a surtout une planche où il dit « Je vais jouer aux jeux vidéo. » Il sort sa Switch, il joue et la petite boule commence à devenir translucide et lui dit « Mais en fait, si je m'inquiète pas et si je m'angoisse pas, tu vas disparaître. » Et il fait ça en jouant aux jeux vidéo. Est-ce que toi, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui a une place importante dans ta vie ou pas du tout? Ouais. Moi, j'ai les jeux vidéo, ça a une place énorme dans ma vie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis un très gros joueur de jeux vidéo. Et je jouais beaucoup à l'époque et c'était un peu un. C'était, en fait, c'était plusieurs choses à la fois. Je pense que c'était un refuge, entre guillemets, comme souvent où je me. Bah, déjà, c'était la grande époque. Enfin, quand j'étais au collège, c'était la grande époque, entre guillemets. Mais c'était l'âge. Enfin, non, je sais pas si on peut dire que c'est l'âge d'or, mais c'était vraiment les premiers MMO. Il y avait Dofus, World of Warcraft et tout. Moi, je ne jouais pas à World of Warcraft parce qu'il y avait un abonnement hyper cher, donc ma mère ne voulait pas Oui. me le payer. Mais je ne comprenais pas comment autant de gens pouvaient avoir cet abonnement d'ailleurs. Bravo. Mais oui, enfin bref, moi je jouais à Dofus du coup, et puis il y a d'autres jeux aussi d'ailleurs. Hein, j'avais la GameCube, j'avais la DS, etc. Et genre ouais en fait c'était vraiment un refuge où en fait il y avait peu de choses qui me permettaient de me focus autant sur un truc et de rentrer complètement dans l'univers. C'est pour ça que je le réutilise beaucoup dans Elliot. C'est qu'effectivement il est tout le temps en fait c'est un refuge permanent, enfin c'est un refuge, un gimmick dans Elliot où il joue avec son pote. Parce que moi j'avais ce lien-là. En fait, il y avait aussi le truc où j'avais des amis qui jouaient aux jeux vidéo aussi. À l'époque, c'était quand même un peu moins grand public qu'aujourd'hui, même Ouais. si aujourd'hui c'est. Enfin, déjà à l'époque ça l'était, mais aujourd'hui c'est vraiment. Enfin, je pense qu'il n'y a plus aucun souci à jouer aux jeux vidéo, quoi. Je pense que tu fais partie de la queue de la Jeux vidéo. dernière génération où ça C'est pouvait ça, être un peu exactement. bizarre, tu vois, genre les derniers de ah, c'est un Ouais. geek. Alors que maintenant, Bah, c'est en gros, complètement moi tout le monde joue, dans. quoi, Ouais, mais. c'est ça. Exact. En fait, j'ai l'impression que dans ma génération, il y avait genre quelques jeux où tout le monde jouait à peu près. Tu vois, genre, il y avait GTA, il y avait T'as FIFA, le il y droit de avait jouer à FIFA, ouais. deux, trois trucs comme FIFA, ça. c'est cool. Ouais, FIFA, c'était stylé. Mais par contre, tout le reste, c'était un peu naze, tu vois. C'était un peu pourri, c'était un peu les geeks et tout. Et moi, enfin, je ne jouais pas du tout à FIFA. Enfin, je jouais parce qu'il fallait jouer, mais genre, j'aimais pas ça. Et voilà, et du coup j'avais quand même ce sentiment que c'était un peu nul de jouer aux jeux vidéo et tout.
Et j'avais un groupe de potes qui étaient un peu les sans-amis, entre guillemets, de l'école, qui jouaient aussi aux jeux vidéo. Et du coup, on partageait ce truc-là. Et je m'en souviens que ça, c'est un souvenir incroyable, mais je pense que c'est un souvenir de joueur que plein de gens ont. Genre, quand tu joues à un jeu en même temps qu'un pote, et pendant la cour, on parlait pendant des heures du truc en disant, ah ouais, t'as machin, tel truc T'es et passé tout. par là, toi, et tout, genre, ouais, ok. Ah putain, il se passe ça quand tu flingues ce boss? Ouais. Oui, c'est ça exactement. Moi, je m'en souviens de ça avec Kingdom Hearts, un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais au collège. Et c'était un truc de fou. En fait, le jeu, on l'aimait parce qu'on se le racontait chacun de notre côté et tout. Et ce truc-là, ça m'a vraiment marqué. Je trouve que le jeu vidéo, c'est vraiment un truc intéressant à ce niveau-là. Quand on commence à en communiquer, ça va permettre de. Moi, ça m'a vraiment ouvert aux autres, en fait. Du coup, j'ai essayé de donner une image positive aussi dans la BD parce que pour moi, c'est un truc positif, en fait, tout simplement, même s'il peut évidemment y avoir des dérives et tout, mais comme dans tout. Mais globalement, je trouve Bah, ça un en truc vrai, hyper en tant que positif gros et du coup, je voulais le gamer, présenter le comme jeu tel. vidéo dans toute ta BD, à aucun, enfin, ça fait juste plaisir de le voir comme ça. C'est-à-dire que il va jouer au jeu vidéo quand il a fini ses devoirs, sa daronne, elle lui dit rien, c'est pas en mode t'es encore devant les jeux vidéo ou quoi. Il reçoit des jeux vidéo à Noël, c'est le même jeu vidéo que son pote, donc du coup ils peuvent jouer ensemble. Et il y a plein de cases, plein de planches où ils jouent tous les deux et où c'est juste deux potes à qui il arrive des aventures dans le jeu et qui en reparlent le lendemain. Ouais, c'est ça. Et ça fait juste plaisir de voir le jeu vidéo comme vecteur d'interaction sociale En pour fait, un t'es petit limite gars qui est encouragé, enfermé. mais de Ouais. manière bienveillante, en fait, y a pas de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est En ça, fait, moi, exactement. Bah, de ce même c'est côté, cool je me parce que c'est suis. vraiment. Pardon. Et du coup, moi, en Non, fait, vas-y, par rapport aux vas-y. jeux vidéo, moi, je m'étais posé la question par rapport à tout ce qui était fantasy, parce que c'est quand même quelque chose qui a tendance à revenir, tu vois. Et même si parfois c'est des toutes petites références, et je me suis posé cette question-là, justement, vis-à-vis de la fantasy, quel était ton rapport par rapport à ça? Mais bon, je pense que ça vient du coup du jeu vidéo, comme Hughes l'a Ouais, souligné. ouais. Alors de la fantasy, pas que, parce que dans le cas de, enfin, j'ai beaucoup consommé de fantasy aussi en littérature, et notamment. D'ailleurs, c'est marrant, je le relis en ce moment, mais j'étais un énorme fan de L'Assassin Royal, le roman Oh, de je le lis Romain en ce moment, je suis au Gavroni. tome 10. Ah ouais? Ah ouais, c'est Ouais. vrai, trop marrant. Bah voilà, tu vois le. Ah, tome 10 déjà, ouais, donc t'as bien, bien avancé Ah ouais, mais je l'ai commencé cet été, là. moi. Genre, il y en a à bouffer. Moi, j'ai commencé en me disant, Ah oh, oui, hein, sympa, une nouvelle t'as saga. rushé, Et j'ai vu qu'il y en avait ouais. 12. J'ai fait, en fait, je vais jamais en sortir de Ouais. ce truc. Maintenant que j'ai aimé le tome 1, je suis niqué, quoi. Bah, je pense que j'en suis même pas là où t'en es parce que du coup, moi j'ai arrêté il y a longtemps et parce que là il y en a des nouveaux qui sont sortis. Et justement, je suis en train de les relire pour pouvoir lire les derniers parce que je me souviens pas très bien de l'histoire. Mais ouais, en gros, enfin voilà, juste pour dire, la fantasy avait déjà une place importante dans ma vie et pour d'autres raisons, mais même, bah évidemment, Le Seigneur des Anneaux. En fait, pareil, j'ai eu un ami au collège avec qui je suis resté ami très longtemps. Qui était un fanat de fantasy et il m'a initié à plein de. Bah, c'est lui qui m'a initié à l'Assassin Royal. Il m'avait initié à une série qui s'appelait Magicien de Raymond Fist, je crois, qui est une série que je trouve un peu moins bien. Enfin, je la conseillerais moins que l'Assassin Royal, mais qui est un classique de la fantasy. Et du coup, ouais, l'Assassin Royal, c'est vraiment, ça m'a énormément marqué. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je pense que cette BD, enfin, ce roman-là m'a marqué aussi parce que c'est un roman hyper introspectif. Avec un De personnage, ouf. ses pensées tout le temps. Moi, j'adorais ça, quoi. Quand je l'ai lu, ça m'avait complètement. Enfin, d'ailleurs, même là, je le relis, je trouve ça toujours aussi génial, ce truc où on est dans la tête du perso. Et je sais que ça, c'est un truc qui divise un peu sur le bouquin, dans le sens où il y a des gens qui trouvent ça un peu chiant dans l'Assassin Royal et qui n'aiment pas le personnage principal parce qu'il est un peu plaintif. Enfin, il est très mélancolique. En fait, il est un peu dépressif aussi. Enfin, même carrément Puis il est dépressif. jamais trop content. Et Il sait jamais trop ce qu'il ouais, c'est veut, ça, il il est hésite jamais sur plein de content. choses, il C'est se ça. questionne en permanence sur sa place, où est-ce que je devrais C'est être, ça, qu'est-ce ouais. qu'on attend de moi, qu'est-ce que je veux être. Et on est loin du héros Ouais. classique de fantasy en mode bouclier, C'est ça. épée, j'y vais et en avant, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, bah, de fait, moi, je me suis grave identifié à ce perso à l'époque. Et je me sentais vraiment. C'était la première fois, je pense, où je me sentais aussi en communion avec un personnage, où vraiment je comprenais vraiment le perso et tout. Et en plus, c'était dans un univers de fantasy, donc trop bon délire pour moi, parce que j'adorais ça et tout. En plus, j'adore le fait que ça soit de la fantasy un peu. Comment on dit ça déjà?
la fantasy, mais qui est pas trop où il n'y a pas de la magie à tous les coins Ouais, tout le monde de tire pas rue. des boules de feu et tout, etc. Ouais, Genre, voilà, c'est ça. c'est un Là, univers j'aime médiéval bien aussi. presque classique, à part deux, trois Ouais, voilà, petites c'est ça. choses, ouais. Puis les trucs qu'il y a sont super Fantasy. bien, genre enfin, tout est bien, je trouve. Enfin bref, on pourrait en parler des heures, mais voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué et qui a, je pense, vachement confirmé mon amour de la fantasy et tout. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'adore ça, quoi. Je suis toujours tous les trucs de fantasy, encore en jeux vidéo, en BD, en tout. Dans ta BD, tu parles de beaucoup d'angoisse. On en parlait juste avant que ça commence. Je te disais, quand j'ai vu la bande dessinée, je me suis dit, je suis peut-être clairement pas le public cible. C'est peut-être plutôt une bande dessinée jeunesse. Et au final, je suis rentré dedans complet parce que c'est des angoisses où, quand elles te marquent à cet âge-là, au final, elles te suivent toute ta vie. Tu parlais du fait que quelqu'un t'ait dit dans le vestiaire, t'as une grosse tête. On a tous des scènes de jeunesse comme ça qui sont débiles aujourd'hui, que quand on les regarde avec un œil d'adulte, on se dit c'est trop con, et pourtant c'est des trucs qui te suivent encore et qui Ouais, te bien sûr, remettent ouais. exactement dans le même état que quand tu avais cet âge-là. Ça refera pleine tête. Il y a plein d'angoisses dans cette bande dessinée dans Elliot au collège où je me suis, mais ça m'a réveillé de quand j'étais jeune, c'est-à-dire de me dire genre, oh putain, celle-là je l'ai eue, celle-là je l'ai eue, et je pensais que j'étais tout seul à m'angoisser de ça. Et à se regarder de l'extérieur en se disant, genre, si tu fais ça, il va se passer ça. Et du coup, d'avoir eu cette angoisse. Et en fait, il y a un côté très cathartique de dire, genre, mais s'il l'a écrit lui, c'est que lui aussi. Et que donc, en fait, dans cette cour que moi, je voyais qu'à travers mon propre prisme, on était peut-être juste 50 clampins avec notre petit monstre à côté, à s'angoisser pour les mêmes choses et à pas oser se le dire. Et que, en fait, si jamais on avait juste été un petit peu plus, genre, transparent sur ce qu'on sortait, comme je pense à une certaine scène du balcon où il pleut, tu vois, où heureusement qu'il y a la discussion qui s'emballe parce que sinon il passe à côté de complètement de quelque chose. Et tu te dis en fait juste libérer la parole, c'est chouette. Est-ce que quand tu l'écris, tu te dis qu'il peut y avoir un côté entre guillemets utile, c'est de te dire genre peut-être que ça fera en sorte qu'un gamin se sente moins tout seul et que ça lui fasse du bien. Ouais. Oui, carrément, ouais, je réfléchis. Bah, en fait, ça, c'est quelque chose que je réfléchis vachement, d'autant plus dans Elliot, parce que je sais que ça va être lu, enfin, j'espère que ça va être lu par des enfants, et enfin, des ados, des jeunes, enfin, des pré-ados, ados, ou enfants à partir de 8-9 ans, on va dire. Et du coup, je me sens quand même plus responsable qu'avec L'homme le plus fait du monde, où bah, en fait, c'est des adultes, donc je me dis, bon, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent de la BD, s'il y a des trucs un peu plus badants et tout. Enfin, là, j'essaie quand même toujours de réfléchir au fait que des enfants vont lire ça. Du coup, oui, je réfléchis à donner un message. En fait, c'est compliqué de. Parce qu'en fait, j'aime pas trop les trucs où on sent trop qu'il y a un message derrière. Où c'est genre trop comment dire didactique, tu vois, où on sent que l'auteur ou l'autrice il veut vraiment t'amener vers une réflexion, genre tu vois les autres enfin, l'exemple typique qui me vient en tête, même si c'est une BD que j'aime bien, c'est genre Max et Lily, vous voyez les Max et Lily, la collection. Pas du tout. Personnellement, non. Ah non, vous Allez, c'est voyez pas parti, Max et ça Lily, c'est Google à marrant toute parce que moi vitesse. c'est genre ultra connu, mais ça se trouve c'était que dans mon univers. Trop vieux! Mais en gros, Ah non, 92, putain, j'étais. Non, non, c'est un. ah, je l'excuse non plus. Hein. Oh, je connais, C'est ouais. triste, c'est voilà. Ah, Max ne pense qu'aux zizi. Le seul qui a été choisi est trop drôle, mais il y a plein, plein, plein de sujets. Et en vrai, je le lisais, je le disais, enfin, ma mère m'achetait ces BD-là quand j'étais petit. Et genre, en fait, j'adorais, en vrai, j'aimais bien. Mais ce que j'aimais pas trop, enfin avec du recul, ce que j'aime pas trop, c'est que à la fin t'avais genre t'as une espèce de dossier où il t'expliquait, en gros c'était un peu du lifestyle entre guillemets, même si c'est vraiment la bonne formulation, mais tu vois c'était genre fait à quoi, enfin en gros comment réagir. En fait c'est pas mal, mais juste moi c'est pas trop ce que j'aime dans les histoires. J'aime bien qu'on sente, C'était pas assez subtil. ouais voilà, je trouve que c'était pas subtil. Et en fait, même le fait qu'il y ait le thème, tu vois, tout le temps à chaque fois, genre Max n'arrive pas à dormir, Max machin et tout, ça permet, Max en et fait, c'est Lily ce ont qui des a fait le copains succès réfugiés. de. Voilà, typiquement, c'est un vrai épisode, du coup, c'est un récent, ou Oui, c'est vraiment. je Ah, l'ai ok. sous les yeux. Oui, non, Parce je que l'invente pas je l'ai là. pas lu, Ça aurait été une grosse prise de risque de la tenter celle-là comme vanne. Non, non, on est sur un vrai tome. ok. Où le Mais cousin de Max et oui, Lily se drogue, tu vois.
Oui, celui-là, je l'ai lu par contre. Je l'avais quand j'étais petit. Le cousin. Et les thèmes, en fait, ce qui était cool, c'était des thèmes toujours hyper durs, entre guillemets. Il y avait genre Max et Lily tombent sur du porno ou des trucs comme ça. Il y avait que des trucs comme ça, tu vois. Ça va, les gamos, je crois en toi. Elle vient de se blesser, mais mortellement. Ah zut, pardon, j'avais pas vu. Bah, ouais, je comprends. C'est une douleur terrible. Le coude, c'est terrible. Ouais, on prend toi, et, vas-y. euh, Lutte. gère, je gère. et du coup, ouais, Continue. en gros, ouais, j'ai essayé de faire un truc où je me disais, enfin voilà, avec tout le respect que j'ai pour Max et Lily, que j'aime beaucoup, moi, enfin, j'aimerais bien arriver à faire un truc où en fait, il y a un message, mais qui est quand même un peu plus subtil et où on peut un peu l'interpréter aussi, tu vois, genre, je pense par exemple à, bah, tu vois, il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de message à proprement parler, si ce n'est que, en gros, le seul truc, je pense, qu'on pourrait dégager comme thématique, enfin, comme message de l'album, c'est genre, communiquer sur sur tes problèmes te permettra toujours de te sentir mieux. Et en gros, ça. Je vais bientôt ne plus avoir de. Ouais. Je change d'oreillette. Vous m'entendez là encore? Ouais, nickel. Mais il y a eu une Ok, ça transition à un marche. moment donné où le son était d'une Oui. Ouais. puissance. Je sais pas Ah ce qui ouais? s'est Ok. passé. Ouais. Trop bizarre. Bah, c'est juste mon écouteur avait plus de batterie. Et donc voilà, en gros, j'ai essayé un petit peu d'avoir cette démarche-là, de faire un truc qui me semblait un peu sans trop de morale et tout. Et aussi, c'est en fait tout simplement que c'est ce vers quoi j'allais plus facilement moi-même quand j'étais dans mes lectures. Genre par exemple, Max et Lily, c'est ma mère qui me l'achetait, mais de moi-même, j'aurais pas acheté ça. Parce qu'en fait, je Ouais. voyais trop que c'était un truc que les parents achètent à leurs enfants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Oui, le truc de se dire genre, ça va être utile, Ouais. c'est une lecture intelligente pour Ouais, mon c'est ça, petit. c'est ça. Et du coup, moi, j'aimerais mieux ne pas être considéré comme ça par les Dialogue enfants, même si là-dedans. c'est cool. Ouais. Et du coup, moi, c'était plus ce vers quoi j'allais, c'était plus bah, Titeuf ou des trucs comme ça, où je trouve qu'il y avait des messages intéressants et tout, mais c'était plus caché, un peu plus, voilà, un peu plus subtil. Puis Donc c'est valorisant en voilà, j'ai plus de essayé. comprendre par soi-même, de se dire genre, oh, Oui, et que ça en me plus, oui, parle, tu ouais, tout à sais. fait. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vachement plus valorisant, je trouve, même pour l'enfant et tout. Donc voilà. J'ai essayé de m'inscrire dans cette lignée-là. Y a Lucie qui dit, ne pas sous-estimer l'intelligence des enfants, les messages peuvent être subtils. Est-ce que c'est un truc Ouais. auquel tu penses quand t'écris? Ouais, carrément, moi j'y pense beaucoup. D'ailleurs, c'est marrant, on en discutait avec ma copine il n'y a pas longtemps qui bosse dans l'illustration jeunesse et dans la BD jeunesse aussi. Et en fait, les éditeurs ont toujours peur que, enfin, dans beaucoup de cas, les éditeurs ont peur qu'on mette trop de mots, que ce soit trop compliqué et tout. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc qui me saoule, moi, dans l'édition jeunesse. Je pense qu'en fait, les enfants, même s'ils comprennent pas un truc, en fait, c'est pas forcément grave, quoi. En fait, ils peuvent ne pas comprendre un truc et au contraire, j'ai envie de dire, va les obliger à. Enfin, les obliger, ça va leur donner envie d'approfondir eux-mêmes le truc, de poser des questions et tout. Du coup, moi, je suis pas trop dans cette démarche de me dire, il faut que ça soit le plus simple possible, que j'aborde des thèmes vraiment hyper simplement et tout. Et j'essaye, enfin, pour moi, c'est important de garder cette logique-là, en fait, quand on fait de la jeunesse. Mais après, bah, c'est la première BD jeunesse que je fais, donc je suis assez inexpérimenté encore, mais j'essaye d'avoir ça en tête. Et voilà. Donc et aussi moi j'ai quand même un amour aussi pour toutes les BD familiales, les BD tu vois où ça se enfin où ça où on peut bah le lire un peu on peut le bah par exemple le grand frère peut lire passer à son petit frère ou sa petite sœur ou sa mère etc. que ça puisse un peu tourner dans la famille comme ça je trouve ça cool donc voilà j'ai essayé de réfléchir un peu Ouais, le truc avec des l'objet de la bibliothèque que ouais tout le monde peut aller piocher en fait. oui c'est ça. C'est ça. Bah, un peu comme par exemple Astérix Obélix, ils ont vraiment réussi ça. Je trouve que t'as genre souvent une double lecture dans chaque truc qui fait que tu peux vraiment kiffer le lire en étant adulte. Et en même temps, quand t'es enfant, tu captes pas, mais c'est pas grave en fait. Moi, dans Astérix Obélix, quand j'étais petit, il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Mais au final, je m'en fichais quoi. Ne J'adorais et serait-ce c'est que les ce que noms. j'ai. Oui, voilà, c'est ça. Genre Les noms que Assurance tu Obélix. redécouvres en Mais. vieillissant, en faisant genre oh! Ouais, c'est ça, des trucs comme ça où. Quand j'étais petit, pour moi, c'était juste Assurance Touriste. Et C'est un voilà, c'est tout, nom quoi. de Gaulois de C'était base. son nom, quoi. Je trouvais ça juste un peu compliqué pour rien, mais ok. Et plus tard, Il y a voilà. plusieurs Enfin, niveaux de donc, lecture dans c'est ta cool. bande dessinée en soi. Parce que quand on Bah, prend j'ai ta, les essayé, angoisses très terre à terre d'un petit garçon qui s'angoisse en étant au collège,
avec les peines de cœur, les espérances et tout, etc. Et t'as aussi des monstres différents, puisque enfin, en épilogue, on découvre une nouvelle forme de monstre d'angoisse qui, là, pareil, quand t'es un enfant et quand t'es un adulte, tu vois pas du tout la violence de la scène de la même façon. Ou même, tu prends juste le moment où ils sont à Noël. Ils fêtent Noël en famille avec la famille de son meilleur pote. Et juste à une phrase de la maman qui dit « Merci, ça nous change de fêter Noël jusque tous les deux. » En petit garçon, tu passes juste dessus. En tant qu'enfant, tu te dis « Ah, il fête Noël avec son pote, c'est cool. » En tant qu'adulte, cette phrase, elle a beaucoup plus de poids que le, juste le « Ah, c'est chouette, il a fêté Noël avec son pote. » Donc, du coup, tu as deux niveaux de lecture. Ouais, carrément, c'est cool si ça marche. Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc que j'essaye de faire. Effectivement, dans l'épilogue, j'ai vraiment essayé de le faire aussi, ou sans spoiler, mais c'est une histoire qui se passe dans un camping et tout. Et en gros, ouais, effectivement, il y a beaucoup de phrases qui peuvent résonner. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des phrases qui puissent résonner avec des réflexions plus adultes, mais qui sont difficiles, peut-être plus difficiles à percevoir pour un enfant. Mais voilà, je trouve ça intéressant de jouer là-dessus, quoi. Enfin, voilà, ça reprend ce que tu dis, quoi. Et, ouais, j'adore quand il y a ça dans les BD. Et genre, je repense par exemple à un gag de Titeuf qui pour moi est une des meilleures planches de BD all time, où c'est genre Titeuf et Manu qui vont acheter un caca en plastique dans un magasin de farce à trappe, et ils se disent tain, ça va être trop drôle et tout, on va le mettre partout, les gens ils vont croire que c'est un vrai caca et tout, donc ils imaginent où le mettre et tout. Et en fait, au final, ils le mettent dans la rue et ils attendent derrière un mur ou je sais pas, et ils sont morts de rire, ils ont trop hâte qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus et tout. Et en fait, là, c'est juste un gars, un éboueur, en gros, qui prend le caca dans son truc et qui le jette. Et genre, il se passe rien du tout, juste il prend le caca, il le jette, il se rend même pas compte que c'est un caca en plastique. Et en fait, t'as juste la dernière case, c'est le camion qui part et ils sont genre, ils disent un truc genre, ah, c'était vachement moins marrant que ce que j'imaginais, quoi. Et ça, je trouve, c'est une trop bonne idée de mise en scène, parce que ça raconte trop de trucs, et en même temps, c'est à la fois drôle, c'est-à-dire que vraiment, la chute est drôle, en vrai, quand on lit, c'est très drôle. C'est un peu triste aussi, parce que ça raconte... En fait, ça raconte aussi le décalage entre le monde adulte l'enfant et toutes les perceptions. Mmh. Et en même temps, c'est jamais expliqué, il n'y a pas d'explication sur qu'est-ce qui est marrant, enfin... C'est vraiment pour moi la perfection en termes de planche de jeunesse et tout, c'est vraiment la perfection. Et du coup, j'ai un peu ça en tête souvent, j'essaie d'aller dans ce sens-là, quoi. Et ouais, j'aimais trop, enfin, voilà, j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire là-dessus. Mais ouais, j'aime trop. En tout cas, c'est ce qui se transparaît dans la bande dessinée, hein, de toute évidence. Il n'y a pas de morale à proprement parler, mais par contre, vu que tout est plus ou moins expliqué, en fait, ça prend vraiment l'enfant pour un être humain à part entière et pas juste... Oui, pas pour un teubé. Voilà, c'est ça. Et c'est super cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé découvrir les petites histoires derrière les personnages qui sont que des façades au début. Et c'est hyper cool. Après, moi, ça me fait forcément penser à des séries beaucoup plus adultes et beaucoup plus peut-être violentes, on va dire. Par exemple, 13 Reasons Why. Mais forcément, ça m'a fait penser à ça, parce qu'on se met dans la peau, entre guillemets, de l'agresseur, et pas que, évidemment, dans Elliot au collège, hein, mais c'est hyper intéressant de voir tous les autres parcours de vie de ces enfants et de voir comment, du coup, dans la vie de tous les jours, ils font en sorte de tenir debout et d'avoir une phase sociale qui leur permet de continuer, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu Skins en tête quand j'ai vu les autres, le côté des méchants, entre guillemets. Ouais, tu vois. J'adore Skins, j'adore cette série. Et en fait, mes influences hors BD, il y a beaucoup effectivement Skins, parce que Skins, j'aimais beaucoup l'aspect effectivement d'avoir plein de persos qui se croisent, qui s'entrecroisent avec des chapitres. Avec des... Bon, après, c'est largement pas ça dans Elliot, mais j'aimerais bien, enfin, si j'arrive à publier Elliot jusqu'au lycée, j'aimerais bien que ça devienne un peu comme ça, et où il y a vraiment plein de persos et tout. Et c'est vrai que ça, c'est... Oui, puisque Elliot, ton but, c'est de le faire vieillir. C'est ce que tu dis dans le prologue. Tu veux pas qu'il reste au collège. Tu veux que les problématiques évoluent avec lui. J'aimerais beaucoup. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le passage du temps. Enfin, sur cette série-là, ce à quoi je m'aurais intéressé, c'est le temps, comment ça transforme Elliot, et aussi son angoisse, comment les angoisses évoluent au fur et à mesure des années et tout.
Je trouve ça intéressant comme thème, du coup, j'ai envie de le faire vraiment évoluer. Comme dit Fultocam Full dans le tokam. chat, c'est à la manière de Lou, c'est exactement ça. C'est en gros, enfin, moi j'ai été beaucoup marqué aussi par Lou. Et c'est vrai que ça m'avait vachement marqué parce que j'avais lu le tome 1 quand il était sorti. Je crois que les deux premiers tomes, on ressent pas trop qu'elle grandit, il me semble, ce qui est normal parce qu'elle est assez jeune dans les deux cas. Et je crois que c'est à partir de tome 3 ou 4 qu'il y a vraiment un step-up où elle est beaucoup plus grande et où c'est en gros c'est les enjeux de la BD changent de fait. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu dans Lou. J'avais trouvé ça hyper intéressant que l'auteur fasse grandir le personnage. Et c'est vrai que c'est un peu un truc qui se faisait pas trop en BD jeunesse jusqu' avant lui, il me semble. Alors, faudra vérifier, mais souvent, en fait, les persos sont un peu immuables. C'est des persos Oui, qui vieillissent pas. qui Mais vieillissent même en pas. Et ce qui général, a... peu importe le truc, enfin, généralement, ils essayent de garder toujours le même âge parce qu'ils se disent, on garde cette tranche d'âge de public, alors que c'est dommage, parce que autant Oui, c'est grandir ça. avec le public, quoi. Et c'est vrai que moi, ça me perturbait un peu. Je sais que dans Titeuf, par exemple, ou même dans d'autres BD, mais je me disais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il est toujours en CM1, CM2? Ouais. Ça me perturbait, en fait. Je me disais, mais il y a genre 15 tomes qui sont sortis et comment ça se passe dans la même journée à chaque fois? Je sais pas. Enfin, ça me perturbait un peu. Après, en vrai, je trouve ça très bien parce que c'est aussi symboliquement, c'est juste en gros, c'est une enfance, mais il n'y a pas de notion d'âge et tout, du coup c'est intéressant. Mais effectivement, moi, c'est vraiment un truc que je m'étais toujours dit, si un jour je fais un peu un truc comme ça, j'aimerais bien que le perso évolue et tout. Et voilà. Pour moi, c'est logique. Tu parles beaucoup d'angoisse dans ta BD et on va glisser gentiment vers une autre, puisque tu parles d'angoisse et c'est pas les seuls problèmes qu'on peut avoir au collège. Tu mentionnes aussi le harcèlement dont est victime Elliot. C'est pas un élève qui est bully du matin au soir, hein, mais disons qu'il est quand même plutôt la cible des quolibets, des gens qui se sentent pas bien et qui ont besoin d'abaisser des autres pour se sentir un petit peu plus grand. Et je voudrais juste parler d'une bande dessinée qui s'appelle Les Combats Invisibles, qui va sortir chez Dupuis, qui va sortir en 4 tomes. Et je voudrais en parler parce que c'est une jolie initiative qui vient en gros entre trois structures. À la base, c'est lancé par l'association e-Enfance, qui est une association dont le but est de sensibiliser et de protéger contre le harcèlement. Merci Dougie pour l'image. Et en fait, e-Enfance, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est une asso qui a lancé un numéro vert qui est le 3018, que tous les enfants peuvent appeler si jamais ils sont harcelés ou cyberharcelés. Et en plus de ça, c'est une asso qui a réussi à se faire reconnaître par tous les grands réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, Twitter, etc. Et c'est-à-dire que si jamais vous êtes un enfant, un ado, et qu'il vous arrive une merde sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous vous faites harceler, que quelqu'un poste des photos de vous, qu'il les partage sur ses réseaux, ben vous, si jamais vous partez en croisade face à Instagram pour essayer de faire retirer cette photo, ça va prendre 2 500 ans et c'est pas gagné que ça arrive. Alors que si vous écrivez à e-Enfance avec le numéro, e-Enfance, vu qu'elle est partenaire de ces réseaux, elle peut tout faire sauter en moins d'une heure, systématiquement. C'est-à-dire que si le signalement vient de l'association, les réseaux, ils cherchent pas à comprendre et ils font sauter. Donc c'est plutôt une très jolie chose. Et pour Ah, c'est trop bien. sensibiliser pour faire connaître l'association, ils ont décidé en fait d'aller chercher Dupuis et de leur demander de publier 4 histoires et donc 4 tomes de bande dessinée pour pouvoir parler et sensibiliser sur le cyberharcèlement. Et chaque tome sera incarné par un influenceur. Donc il y a Lou qui est une chanteuse, il y a un garçon stupide qui fait des tutos make-up sur Instagram, il y a Valvetti et donc du coup et il y a aussi Pink ou Kiwi qui sont 4 influenceurs qui tous les 4 ont en fait accepté de participer au projet. Pour les mettre en avant, c'est pas les personnages principaux, ils seront représentés dans la bande dessinée en fond, etc. Et ils ont aussi aidé à l'écriture puisque chacun, soit Lou qui essaye de sensibiliser sur le harcèlement depuis longtemps, un garçon stupide qui a été pas mal harcelé, Valvetti qui était harceleur et qui a été ensuite harcelé et qui donc du coup a percuté assez jeune à quel point c'était l'enfer et qui donc du coup aujourd'hui essaye de faire pareil, et Pinku qui oui, la même, et donc du coup c'est un projet qui a pour but de sensibiliser un maximum. Est-ce que tu penses que la bande dessinée est un bon vecteur de sensibilisation? Ou est-ce que ça doit être juste quelque chose qui est là pour raconter des histoires?
Ouais, non, c'est un bon vecteur. Après, je pense pas que ça soit un meilleur vecteur qu'un autre, tu vois, par rapport à, par exemple, je pense aux séries ou la série dont tu parlais, Reasons Thirteen Why, oui. Reasons Why. Why, qui abordait ce sujet-là déjà. Je pense qu'en fait, c'est un bon média. C'est un bon média à partir du moment où les enfants ou les ados s'y intéressent, quoi, et que du coup, ça fait boule de neige et tout. Mais oui, la BD, ça peut être un bon. C'est un média pour moi équivalent aux autres pour ce sujet-là. Mais en tout cas, ce dont tu parlais, je trouve ça trop intéressant. En fait, c'est vraiment un outil de. Je sais que moi, dans ma génération, quand on était au collège, c'était vraiment le balbutiement des réseaux sociaux. Il y avait déjà Facebook, mais il n'y avait pas Snapchat et tout. Et je pense que. Il n'y avait pas les mêmes enjeux. Même s'il y avait déjà des trucs, par exemple, il y avait déjà des. Enfin, moi, par exemple, je me souviens. J'ai un souvenir de collège où quelqu'un m'avait parlé d'un truc, une photo sur laquelle on m'avait identifié, mais j'y avais pas accès, on m'avait pas donné l'accès à la photo. Et j'ai jamais su ce que c'était, tu vois, mais bon, c'était peut-être un personnage avec une énorme tête. J'en sais rien. Mais du coup, je m'en souviens que ça m'avait vachement obsédé et tout. Et ça, je parle de ça, c'était sur Facebook, genre en 2009, quoi, ou en 2008. Donc c'était vraiment les balbutiements de ça. Maintenant, les outils tels que Snapchat ou TikTok et tout sont tellement plus perfectionnés et du coup tellement plus risqués pour les ados Puis le et temps passé tellement sur les plus téléphones et les dangereux. écrans a augmenté, Ouais, donc en fait, tu peux. c'est ça. Enfin, Que tu te fais effectivement harceler du c'est hyper matin au soir. impressionnant. Alors C'est qu'avant, tu ça. Et quittais en fait, c'est vrai l'école, que au moins c'était ouais, en fini. fait c'est ça. En fait, tu rentres de l'école et t'as encore les réseaux et tout et c'est en fait, je pense, on a du mal à imaginer à quel point ça peut être violent et horrible de se faire harceler sur les réseaux et tout. Enfin bon, après, c'est évident, mais ouais, c'est vrai que moi, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'y échapper parce que c'était encore pas trop au point. Il y avait pas trop encore. C'était pas optimisé, on va dire, pour ça encore, même si ça, il y avait déjà des cas de harcèlement à l'époque. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un outil. Enfin, là, du coup, ce que tu décrivais, c'est vraiment génial, quoi. Le principe d'avoir ce truc qui est instantané où tu peux signaler quelque chose, ouais, c'est trop bien, quoi. Bah, là, quand t'en parles, Oui, et c'est con, surtout le mais. bloquer, quoi. Ouais, surtout de bloquer, Bloquer ouais. les contenus directs, c'est surtout ça, parce que Ouais. signaler, c'est pas. Signaliser, Ouais, ça peut bloquer les rester des contenus. semaines, quoi. Oui, voilà, Et c'est de le faire ça. supprimer, c'est chouette, ouais. Mais là, tu vois, quand t'en parles, tout de suite, ça me fait penser à. Bah, c'est con, mais à l'ami imaginaire d'Eliott. Parce qu'en soi, l'un des premiers reportages que j'ai fait en sortie d'école de journalisme, c'était sur le harcèlement scolaire. Et il y avait D'accord. une petite fille qui parlait de à quel point, en fait, elle se faisait harceler tout le temps. C'est-à-dire que quand elle rentrait à la maison, c'était des publications sur son mur Facebook, c'était des dizaines de messages en MP et tout, etc. Et la question, du coup, tout le monde se pose, c'est, mais juste pourquoi est-ce que tu supprimes pas Facebook, en fait, pour couper cet afflux permanent d'insultes et d'horreurs? Et en soi, la réponse qu'elle m'a donnée, je pense que c'est la réponse que le meilleur ami d'Eliott, le ami imaginaire d'Eliott pourrait lui donner, c'est qu'elle lui a dit, elle a répondu, si je supprime Facebook, bah, j'ai peur de plus être comme les autres et c'est encore pire de pas être sur Facebook que de prendre tout ça dans la gueule. Et en soi, du coup, Ouais. là, tout de suite, j'imagine, tu vois, genre, elle rentre chez elle, elle veut supprimer Facebook et ton petit monstre à côté qui fait, si tu supprimes Facebook, tu vas être la naze qui a même pas Facebook. T'es sûr que tu veux vraiment supprimer Facebook? Et genre, je trouve que ça colle parfaitement avec ton petit monstre imaginaire, quoi. Ouais, carrément. Et puis en plus, pour ajouter le truc par rapport à ce que tu dis, c'est que même si elle supprime le truc, le simple fait de savoir qu'il y a des gens qui te harcèlent sur une plateforme, même si tu n'y as pas accès en soi, c'est horrible aussi, quoi. Et en plus, ça continue d'alimenter le harcèlement. Enfin, c'est ça qui est compliqué, quoi. C'est que je pense qu'il n'y a effectivement pas d'autre moyen que de supprimer le plus rapidement possible les trucs. Et aussi de faire prendre conscience, je pense, aux ados que quand on écrit quelque chose sur Internet, bah, c'est exactement comme quand on le dit dans la vie et qu'il n'y a pas de différence, en fait. C'est la même chose, en fait. Ça n'a pas de moins de valeur parce que c'est sur Internet. Voilà, enfin, c'est basique, mais c'est vrai que La c'est un truc responsabilité est la intéressant. même. Ouais. Après, la solution, c'est d'avoir des super pouvoirs. Comme dans Birdman, cette transition est sponsorisée. Bim! Non, parce que ce soir, vous avez
trois, vous avez un tome de bande dessinée, un tome de manga et des coins pour lire des webtoons qui vous sont offerts en tirage au sort à la fin de l'émission, ce qui ne saurait tarder. Et du coup, dans ce que vous avez à gagner, vous avez bien évidemment un tome de Elliot au collège et vous avez le premier tome de Birdman. Et Birdman, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga où vous allez avoir une bande d'ados, un peu des misfits, qui sont victimes d'un accident de bus et ils sont sauvés par un Birdman. Et voilà, que vous voyez juste là à l'image, qui présente un petit peu le futur de l'humanité, quoi. C'est l'humanité 2.0 avec des super pouvoirs, etc. Et Birdman, il les sauve et il en fait des Birdman aussi. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas sur un manga de super-héros où d'un coup, ils vont aller sauver le monde et tout, etc. On est juste sur une bande d'ados et le questionnement de qu'est-ce que tu fais quand t'es adolescent et que d'un coup, il te tombe des super pouvoirs. À quoi ressemblera le monde demain, puisque au fur et à mesure, les Birdmen se font connaître. Et donc, du coup, est-ce que l'Homo sapiens doit s'éteindre face à cette nouvelle humanité 2.0 un petit peu plus costaud, solide et qui est vraiment plus forte, plus rapide, plus puissante, plus intelligente? Et donc, du coup, c'est extrêmement bien foutu et ça fait partie des trois choses que vous avez à gagner ce soir, ainsi que plein de coins sur Webtoon Factory pour aller vous gaver de Webtoon. Je vais vous demander un mot. Guimau, tu l'as déjà fait, donc je vais juste demander à Théo. Théo, il nous faudrait un mot, n'importe lequel, un mot qui te plaît, et c'est le mot que les gens devront taper dans le chat pour essayer de gagner et d'être tiré au sort. Tu peux choisir ce que tu veux. Alors, attends, un mot... saxophone, allez, au hasard. Allez, saxophone. Ça, il n'y a aucune raison, hein. C'est juste le premier mot qui m'est venu en tête. Non, mais tu fais partie. Non, mais ça sonne bien. On sort quand même de la semaine dernière où le mot était prout. Donc, en soi, tu vois, on est sur un standing bien plus élevé là. Alors, ouais. Donc, vous pouvez tous taper saxophone en masse dans le chat et on fera le tirage au sort dès que je vous aurai parlé des futures sorties. De chez Dupuis, on a Elliot au collège qui, bien évidemment, est sorti vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Parce que je crois que je l'ai annoncé vendredi dernier, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il est sorti. Donc, vous pouvez aller choper le tome 1 de Elliot au collège. Vous pouvez choper aussi Les Amis de Spirou qui sortira le 20 janvier. Les Amis de Spirou, c'est une histoire vraie pendant la Seconde Guerre mondiale de petits jeunes qui rentrent dans la résistance. Et on vous en avait déjà parlé au moment de l'histoire du journal de Spirou. Et c'est vraiment une très jolie histoire de comment est-ce que des gamins s'organisent et décident de lutter contre la plus grande des atrocités avec à la fois la naïveté et la candeur des enfants, mais aussi un esprit particulièrement acéré. Et aussi le fait que des adultes peuvent se servir d'enfants pour faire des trucs pas très chouettes. Mais bon, temps de guerre. Et In Memoriam, dont on vous a parlé la semaine dernière, qui, moi, est l'un de mes coups de cœur BD de cette nouvelle année. Bon, on n'est que le 16, donc... ouais, mais elle est quand même super bien. In Memoriam, qui sortira le 20 janvier. Foncez, jeunes gens. Ça, c'était pour le côté bande dessinée. Et en manga, vous avez Birdman, qui sortira le 3 mars, le 15e tome. Et c'est le moment de vous lancer parce qu'il y a que 16 tomes et le dernier tome sortira le 30 juin. Donc la série sera finie le 30 juin, le tout en 16 tomes. Et je vous rappelle, Combat Invisible, la bande dessinée pour sensibiliser au harcèlement, elle sortira en septembre en même temps que la rentrée. Est-ce que la régie est prête à faire le tirage au sort ? Oui ! Waouh ! Alors, je me permets de rappeler à la régie, pendant qu'elle fait le tirage au sort, qu'elle doit nous inventer une transition de sortie absolument incroyable et sublimissime. Voilà. Elle sera inattendue. C'est parfait. Parce qu'il faut savoir qu'ici, nous n'avons pas de moyens, mais plein d'idées, et que donc, du coup, systématiquement, l'émission se termine sur une transition du plus bel effet, intégralement bruitée à la bouche. C'est systématiquement stupide, parfaitement inattendu, mais un vrai bonheur pour les yeux. Voilà. Est-ce que vous avez tous fini de taper saxophone ? Je vous laisse 2 secondes pour finir de taper. 1, 2. Et mon cher Kairou, vous pouvez dès à présent tirer le vainqueur de ce soir. Et c'est Akaneo qui remporte le tome de Elliot au collège, de Birdman et des Coins à dépenser dans Webtoon Factory. Akaneo, je te laisse immédiatement MP Dupuis direct en disant coucou. Voici mon nom, mon prénom, mon adresse mail. N'oublie pas le coucou et avec le même ton que Guimau, s'il te plaît. Coucou. C'est important. Voilà, sinon ça ne marchera pas, ouais.
Et tu recevras tout ça, ça part là dans la semaine, normalement dès demain matin. Donc normalement, tu le reçois fin de semaine. Donc n'oublie pas nom, prénom, adresse, adresse mail. Et ça part GG à Caneo. J'aime bien finir cette émission sur la même question que je pose à tout le monde. C'est pourquoi est-ce qu'il faut lire de la bande dessinée, Théo ? Pourquoi faut lire de la BD ? Enfin, de la BD, du manga. Pourquoi faut consommer des bulles ? C'est une bonne question. Je dirais que c'est en fait, je pense, un médium qui est extrêmement riche et qui en fait est très excitant aussi parce que je pense qu'on est encore loin d'avoir exploité toute sa richesse et qu'il y a beaucoup de choses encore à envisager en bande dessinée. Il y a beaucoup de formes de bande dessinée nouvelles qui apparaissent. Et du coup, moi, c'est un médium que je trouve hyper fascinant. Après, bon, c'est ce que je dis, c'est vrai pour beaucoup de médiums, hein, mais la bande dessinée particulièrement, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose aussi de très intime où on peut vraiment se plonger dans la lecture et en même temps, il y a les images, donc ça, c'est très visuel, on peut s'attacher à un dessin. Voilà, ça pour moi, ça permet d'allier beaucoup de plaisir et tout en ayant quelque chose de très intime, de rapport au livre très intime, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir relire facilement des pages, pouvoir se replonger facilement dans un album, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est la raison pour laquelle il faut lire de la BD. Guimauze, est-ce que tu as une autre réponse que celle que tu nous as apportée il y a quelques mois ou juste tu nous fais un bisou et la même ? Ben, je reste sur mes positions. Hein. Je trouve que c'est vraiment un art à part entière qui a beaucoup de choses à communiquer. Et que voilà, en fait, je vais rester sur ce que j'ai dit la dernière fois, finalement. Et en plus, Théo a dit quelque chose de tout à fait pertinent. Donc, des bisous. Voilà. Allez, matez le replay de la dernière fois si vous voulez savoir ce que Guimauze a dit. Parce qu'on pense en watch time ici. Évidemment. Eh ben, Théo et Guimauze, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci beaucoup d'avoir passé la soirée à parler d'Eliott au collège et de ton amour de la bande dessinée, c'était trop chouette. Bah ouais, carrément, merci beaucoup pour l'invitation, truc très cool. Théo, je vais te laisser l'honneur, putain, je réalise que j'ai pas du tout dit à la régie chez qui on va, mais j'imagine qu'il est grand, puissant et balèze et qu'il a déjà prévu chez qui il a lancé le raid et chez qui on allait envoyer tout. Non. Ouais, je m'en doutais un peu. Ah putain, mais il y a que des grands et des gros. On peut aller chez Lincus, il y a Lincus. Lincus. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Voilà, il y a Lincus c'est chouette, Lincus c'est l'amour. Allez, zou. On va chez Lincus. Théo, je te laisse lancer la transition absolument comme tu veux, un claquement de doigts, un claquement de main, un clin d'œil. La régie comprendra le signe et je te laisse lancer la transition de fin à ta guise et quand tu veux et pendant ce temps-là. Je vais juste regarder les gens de façon gênante. Et je vous dis un énorme merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Ah, attends, excuse-moi. Non, juste avant de claquer les doigts. Non, claque pas les doigts. Guimauze, c'est quand qu'on te retrouve ? J'ai failli être un scandaleux. Il a pas dit. Sûrement. À quelle heure ? À quelle heure ? Je sais pas encore, début d'après-midi, à mon avis. Voilà. Mettez pas le réveil trop tôt, mais voilà. On va ici, guettez. C'est compliqué. Ouais. J'ai juste. On va faire un petit claquement, du coup. J'ai juste un petit truc à prévenir avant. C'est très très difficile de réussir à trouver une transition qui colle avec la thématique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre l'angoisse, l'anxiété, le collège, je ne savais pas comment illustrer ceci. Alors j'ai décidé de prendre un contre-pied. Oh. Vous verrez. Okay. Théo, tu peux lancer le contre-pied quand tu veux. Allez, c'est parti. Voici des gens qui ne savent pas plier des fonds verts. La vache. Oh, je suis tellement content d'être dans le coin en haut à gauche. Il n'y a que moi en fait. Au revoir. Ouais. Au revoir.